Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine, donc cette fois-ci du 31 janvier au dimanche 6 février. On va aller voir du coup pour chacun de vos signes quelles sont les énergies qui arrivent à vous en tout cas pour cette semaine, cette nouvelle semaine. Et puis je vous mettrai bien entendu les timers en description de la vidéo pour que vous alliez directement aux signes qui vous intéressent. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre ascendant, ça peut-être davantage correspondre à votre semaine. Alors on y va, je vais mélanger les signes du zodiaque hein, pour comme d'habitude vous montrer que c'est pas moi qui choisis l'ordre des cartes. Allez. Et on va commencer par les cancers. C'est parti. Alors, les cancers, semaine du 31 janvier au 6 février, quelles sont vos énergies? Alors, la petite carte humoristique pour vous, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous les cancers pour cette nouvelle semaine. Alors, la petite dame, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Alors, du coup, on vous parle de bonnes nouvelles, bonnes ou mauvaises, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Voilà la première carte de votre semaine. Donc ne vous inquiétez pas des nouvelles qui peuvent arriver à vous. Elles ont toute une raison d'être cette semaine. À vous de voir comment maintenant vous réagirez en fonction de ces nouvelles qui vous arrivent. Alors, on va aller prendre une énergie également ici avec l'oracle de Gaïa pour les cancers semaine du 31. Et elle est là. Alors, cette semaine-là, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Libération. On vous dit rompre un attachement néfaste. Alors, cette semaine, il peut y avoir des prises de décision de couper des liens avec certaines personnes qui sont toxiques, comme on appelle ça des liens toxiques, hein, d'accord? On vous dit bah, rompre un attachement néfaste. Cette semaine, on va peut-être prendre des décisions, par exemple, pour mettre fin à un contrat qui ne vous convient pas par rapport au domaine professionnel. À vous de voir maintenant quel attachement néfaste va devoir être rompu cette semaine. Alors, rassurez-vous, il peut tout simplement s'agir d'une illumination cette semaine de la façon libération, de rompre un attachement à son passé qui vous est néfaste parce qu'il vous empêche d'avancer. D'accord? Donc ce n'est pas forcément rompre une relation. Rassurez-vous les amis. Allez, on poursuit ici. Cancer, semaine du 31 au 6 février. Un petit message. Le crâne. Qu'est-ce qui vous dit le crâne pour cette carte? Alors, c'est le secret de Cassandre, l'oracle des songes. Alors, je ne les connais pas encore par cœur. Tout ce qu'on me dit ici, c'est sans l'esprit ni la matière, il n'y a pas de création possible en ce monde. L'esprit est connecté au divin, la logique à la matière, utile à toute réalisation terrestre. Alors, on va aller voir dans les différents domaines ce que cela signifie. C'est décision, intelligence et pragmatisme. Décision, hein, c'est tout à fait logique. Alors, cette semaine, vous êtes d'un pragmatiste où vous avez fortement besoin d'être lié à la matière. D'une logique implacable, vous êtes rassuré par les chiffres, les calculs qui laissent peu de place à la spiritualité ou à l'esprit. Lancé sur le grand échiquier de la vie, l'action est votre religion. Votre intelligence et votre culture sont parfaitement adaptées au fonctionnement social actuel. Il se peut que votre cerveau surchauffe sous l'afflux de pensées productives. Vous aimez diriger, conquérir, commander, bref, contrôler et avoir une parfaite maîtrise des situations.
Le cœur n'a qu'une place mineure dans les états d'âme lorsqu'on veut gagner à tout prix. Votre intelligence et votre besoin de contrôler peuvent parfois vous faire passer pour quelqu'un d'égotique ou d'audacieux, ce qui n'est pas forcément le cas. Cependant, les niaiseries spirituelles ou humaines sont une perte de temps pour vous dans un monde où vous souhaitez avoir une place de choix. Prendre des décisions est votre force, que l'on soit ou non d'accord avec vous. Votre intelligence et votre vitesse de réflexion vous permettent de statuer avec rapidité sur des événements critiques. Peu importe si c'était le bon choix, il fallait endosser une responsabilité et vous l'assumer. Au pire, vous accusez le coup pour mieux vous relever. Il se peut que cette carte révèle votre incapacité à être en paix ou simplement le fait que votre vie dynamique et active vous empêche de vous reposer, de trouver un peu de liberté pour vous-même ou d'exister simplement. Il vous est conseillé de lever le pied cette semaine. Alors, projection sur le travail, pas besoin d'un leitmotiv, vous vous stimulez suffisamment pour toucher à votre but. Métier associé, directeur, entrepreneur, comptable, avocat, commercial, banquier, notaire, concepteur informatique, ingénieur, architecte, etc. Sur le plan de l'argent, le chiffre 8 serait celui qui vous représente le mieux. Vous travaillez pour votre confort et vous y arrivez. En amour, le point faible. Un ou une amoureuse cérébrale, mais qui peut révéler une sexualité active et passionnée. Avec vous, c'est tout ou rien, et quand vous l'avez décidé. En amitié, si vous n'avez pas les pieds sur terre, un ou une amie pourrait être de bons conseils pour vous ramener à la réalité. En justice, réfléchissez aux actions à mettre en place et ne misez pas sur les sentiments. Prenez un avocat sans scrupules. Sur le plan de la santé, posez-vous! Les zones organes, c'est le cerveau, le crâne, les cervicales, les yeux et les veines au niveau de l'hypertension. Donc, à surveiller et surtout à en prendre soin cette semaine. Bon, bah, repos, hein, les cancers cette semaine. On lève le pied, on souffle, on remet à demain peut-être pour une fois ce qui n'est pas urgent. On fait le plus urgent d'abord et on arrête de courir surtout. Alors, pour les cancers du 31 janvier au 6 février, quelles sont leurs énergies pour la semaine? Qu'est-ce qui vient à eux? Et encore... Encore une. Alors, dos de deck, on a l'éclaireuse. On va y voir plus clair cette semaine, mais en même temps, on a des messages qui arrivent. Eh, le facteur, bonne nouvelle. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine pour les cancers. Donc, si on était en attente de certaines nouvelles, elles arrivent, elles sont en chemin. Alors, est-ce que vous voyez tout? Bon. Je suis un petit peu embêtée avec cette lumière parce qu'elle, sur ces oracles-là, elle brille. Alors, au niveau du centre, eh bien, on me parle de la connaissance. Alors, cette semaine, on va me parler d'avoir connaissance de quelque chose. On va me parler de formation éventuellement qui arrive à vous. Ça peut être des nouvelles en lien avec une formation que l'on veut effectuer, hein, entre guillemets. On va me parler de révélation, d'apprentissage, de recherche également aussi. On va me parler d'introspection, pourquoi pas, hein, d'introspection aussi, qui pourrait vous aider à vous libérer, pourquoi pas, de certaines choses, à prendre des décisions. On va me parler d'études, hein, ça peut être ici pour des cancers qui sont étudiants, on peut avoir des nouvelles en attente par rapport à des études. Alors... La tour symbolise le côté administratif éventuellement, le côté officiel, ça peut être une structure officielle. Hein, donc, on peut avoir des nouvelles d'une école, par exemple. Si vous avez demandé à accéder à une formation par rapport aussi, peut-être, vous savez, les organismes de formation, on pourrait avoir des nouvelles de cet organisme de formation. Alors,
Oh, très joli. On me parle d'un contrat, d'un partenariat. Donc, ça peut être un partenariat avec une école. Le grimoire peut me symboliser le registre. Alors, je ne sais pas, j'entends le mot registre. Donc, on peut être ici aussi des nouvelles en attente, par exemple, pour signer un registre auprès de la mairie. Pourquoi pas un rendez-vous auprès de la mairie pour signer le registre déjà de déclaration éventuellement de la naissance d'un enfant pour cette semaine, ça peut être ça aussi, mais aussi éventuellement pour s'enregistrer pour un futur mariage à la mairie, d'accord? Donc on peut être dans ces zones-là. On va avoir en tout cas une révélation aussi par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, par rapport à son couple aussi, hein. On peut se rendre compte éventuellement que chacun était de son côté dans son couple et la révélation arrive ici, comme quoi peut-être qu'il est plus que temps de passer un petit peu de temps cette semaine, d'où le fait qu'il faut peut-être lever le pied pour certains cancers, c'est-à-dire que pour les couples ici, il va peut-être falloir penser un petit peu à vous aussi cette semaine. Alors, oui, hein, en tout cas, on est un peu stressé, il peut y avoir aussi des petits conflits, d'où le fait que je vous dis. Que je ressens qu'il faut peut-être prendre du temps pour son couple cette semaine. En tout cas, moi, ce qu'on me parle, c'est de retrouver un certain bien-être, hein. Il y a une guérison aussi qui se fait éventuellement. Alors, ça peut être justement la révélation de quelque chose. On apprend quelque chose cette semaine ici par rapport à je ne sais quelle situation, hein, peu importe le domaine. En tout cas, une révélation vous sera faite. Vous allez y voir plus clair sur quelque chose, peut-être en lien avec un message qui arrive et qui va finalement apaiser les choses. Pourquoi? Parce que j'avais une période de conflit, entre guillemets, ça peut être un conflit mental ici, hein, entre vos idées. Ça, on vous disait avec le crâne que tout tournait à plein régime pour vous. Donc, en fait, ici, voilà, très clairement, on retrouve un certain apaisement. Le sakura symbolise le bien-être et le repos aussi, hein, pourquoi pas. Donc, ici, en effet, reposez-vous. Il est peut-être temps aussi, avec la tour, j'entends le mot isolé, mais c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, ici, il y a peut-être un besoin aussi de s'isoler, d'introspection, pour pouvoir avoir une certaine révélation qui vous est faite. Ouais, bon, le mental, il carbure à plein régime encore ici, hein, on y est aussi, mais on vous dit que les choses vont évoluer parce que j'ai le navire ici. Le navire, ça symbolise que l'on avance, hein, bien entendu. Le navire, ça symbolise le mouvement, le changement, le nouveau départ, des déplacements, pourquoi pas aussi, hein. Il y a peut-être un déplacement à faire et qui vous stresse. Pourquoi pas aussi? Mais on vous dit que tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que j'ai la couronne de lys et j'ai le soleil, j'ai la guérison. Donc on débute peut-être la semaine dans des énergies un peu, ouf, un petit peu costaud au niveau du mental, au niveau du stress. Les choses évoluent de façon positive parce qu'il y a une nouvelle qui vient peut-être tout débloquer et vous révéler quelque chose qui va enfin apaiser vos énergies. Ici, la semaine se termine dans des belles énergies de soleil couchant ici, de sérénité avec les lys, d'apaisement et le sakura symbolise le bien-être, l'ancrage aussi. En tout cas, c'est très positif, hein. On peut avoir en fait cet ancrage aussi au niveau aussi. Alors ça peut être une formation dans le bien-être, dans le domaine du bien-être aussi, pourquoi pas. Enfin quelque chose en lien avec le fait d'aider les gens à se sentir mieux. Hein. Mais en tout cas, les lys en étant dans votre tirage me symbolisent les honneurs, la récompense, la détente. Hein. Donc ici, prenez aussi le temps de vous détendre. Pourquoi pas, si vous avez cette chance de voir un soleil couchant avec votre moitié, ça pourrait être bénéfique. Voilà les cancers, de belles énergies, hein. Accrochez-vous, la semaine débute peut-être sur les chapeaux de roue, mais elle va tellement bien se terminer. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Les sagittaires, alors je les prends dans l'ordre, hein. Je vous les ai mélangés sous vos yeux au tout début, je les prends dans l'ordre. Alors, les Sagittaires, semaine du 31 janvier au 6 février, quels sont les messages pour les Sagittaires? Zen attitude, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que dit cette petite femme-là? Moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a force rouge, hein, avec le verre de vin rouge, c'est plutôt pas mal. Et les chaussons licorne, c'est top, top. Hein. En tout cas, je la trouve super drôle.
Et ça donne un peu le ton de la semaine pour vous, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses à la légère. Zen attitude, vous dit-on. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Donc vous avez besoin de zen attitude pour cette semaine et vous devriez, je pense, la trouver, cette zen attitude, à condition de prendre le temps qu'il vous faut. Allez, on poursuit, Sagittaire. Il y en a trop, il n'en faut qu'une. Du 31 janvier au 6 février, Sagittaire. Alors, donc cette semaine, souvenir des émotions passées refont surface. Alors, on peut cette semaine, pour vous les Sagittaires, justement, avoir des émotions qui remontent peut-être à cause d'une situation, quelque chose qui va vous rappeler une autre situation. Mais c'est pas forcément de mauvais souvenirs, je sens qu'ils vont peut-être remonter à la surface. Alors oui, il va y avoir peut-être des émotions passées qui vont refaire surface et qui vont finalement, en faisant surface, se débloquer, bien entendu. D'où le fait qu'on retrouve peut-être une zen attitude. Mais il peut s'agir aussi de tout simplement des souvenirs. On échange avec des personnes et on se rappelle le bon vieux temps. On peut très bien faire du tri dans sa maison, tomber sur une boîte, une caisse, un carton et l'ouvrir et puis découvrir de jolis souvenirs de quand on était petit ou je ne sais pas. En tout cas, une semaine basée peut-être sous l'énergie du souvenir et des émotions. Mais des émotions qui ne sont pas forcément négatives. Alors, Sagittaire, semaine du 31 janvier au 6 février, quel est le message? Waouh, l'escalier, en plus elle est bien jaune, bien ensoleillée cette carte, c'est super chouette. Alors, changer d'étage, c'est s'apprêter à quitter de vieux schémas. Vous grandissez, les Sagittaires. Alors, changer d'étage, eh bien, pour certains, cet escalier va symboliser qu'on va passer enfin à une étape supérieure cette semaine. On va peut-être, justement, avec des émotions qui reviennent à la surface, que l'on débloque, qu'on se débarrasse de ces émotions, et forcément, si elles sont négatives, eh bien, ça va peut-être vous permettre de franchir une nouvelle étape dans votre vie. Allez, on va aller voir. Ça s'appelle Les Secrets de Cassandre. C'est l'oracle des songes. Et c'est la carte numéro 27. Évolution, élévation et confiance. Waouh! Alors déjà d'emblée, ça donne le ton de votre semaine. Hein. Vous aspirez à des changements et laissez parler vos ambitions. Vous avez raison d'avoir confiance. L'escalier peut être descendu en involution ou monté en évolution. Cette carte reflète les changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Positivement, vous souhaitez quitter une condition et passer à la vitesse supérieure. Cette force qui vous anime ouvre des portes à un aspect neuf de votre cheminement personnel, un changement de conditionnement, une aspiration spirituelle puissante. Vous n'êtes plus satisfait de votre vie actuelle et aspirez à combler vos propres besoins. Vous méritez ce changement et cette progression. Vous avez suffisamment travaillé pour récolter enfin le fruit de vos efforts. Il est clair que si votre existence était bloquée jusqu'à aujourd'hui, le changement est annoncé. Le déclic est programmé et c'est le moment de passer à une autre étape. Vos potentiels se développent, votre destin est en train de prendre un nouvel essor. Il s'agit ici d'une progression personnelle et d'une modification profonde de toutes vos habitudes. Il peut s'agir d'une mutation de votre vie sociale, professionnelle, spirituelle ou même encore d'une étape que vous vous étiez fixée. Tout arrive et c'est maintenant. Alors, dans la projection, sur le plan du travail, progression sur l'échelle sociale, vous pourriez atteindre un poste avec plus de responsabilité. En reconnaissance de votre labeur, votre ego sera comblé et la confiance en vous-même vous grisera. En niveau de l'argent, rentabilité, progrès financier. En amour, vous passez à une étape supérieure, possible rencontre avec une personne haut placée socialement ou d'une certaine notoriété. Il s'agit surtout d'une représentation symbolique du mode auquel vous aspirez.
Une étape est franchie pour le mieux, ne regardez plus en arrière, surtout si vous venez de passer des moments difficiles. En amitié, vous ferez peut-être un peu de ménage autour de vous. Cet allègement vous permettra d'être plus en phase avec vous-même et de mieux apprécier ceux qui sont en accord avec vous. Certaines amitiés pourraient vous aider à cette progression. On vous tire vers le haut. Au niveau de la justice, il vous reste une étape à franchir, mais cela vous permet de rester positif. Gardez en tête que chaque étape est importante. Et au niveau de la santé, progression positive, vous êtes moins fatigué, vous vous engagez à aller mieux. Et les zones organes à faire attention et à protéger cette semaine sont la tête et le système nerveux. Waouh ! Eh ben, vernis les Sagittaires, hein. Très belle énergie. Hein. Allez, on poursuit avec les Witchy le Normand. Sagittaire, 31 janvier au 6 février. Stabilité, ancrage, officialisation. La tour, c'est aussi tout ce qui est administratif, les choses officielles, hein, un organisme. Voilà, je cherchais le mot un organisme. Alors, bon, alors ici, on a le consultant ou la consultante aussi, hein, puisqu'on est dans des énergies générales. Donc, ça peut être vous ou votre partenaire aussi. Hein. On me parle en tout cas d'une énergie éventuellement aussi masculine, donc une énergie où on va vous demander d'être éventuellement dans l'action cette semaine aussi, de ne pas... comment dirais-je ? Je ressens deux choses. C'est à la fois, on vous demande d'être dans l'action, mais de quand même faire attention de pouvoir vous poser de temps en temps, de ne pas avoir tout le temps la tête dans le guidon. Donc, on vous dit d'être dans l'action, mais d'avoir quand même des moments de solitude ou des moments où on peut... une sorte d'introspection, des moments à soi, en fait. Hein. Alors, la rose des vents me parle de déplacement. Donc, on peut avoir aussi un déplacement à venir ici. On peut me parler aussi d'être dans la bonne direction. Hein. La rose des vents, c'est vraiment une sorte de boussole. Donc, on me dit également qu'on peut être sur le bon chemin. On va me dire aussi que s'il s'agit par exemple de votre partenaire, on peut me dire que cette personne pourrait avoir de bons conseils à vous donner aussi pour vous mettre dans la bonne direction. Oui, on me parle de bien-être, d'ancrage, de, en tout cas, c'est quelque chose de positif ici. Hein. Le sakura symbolise l'ancrage, mais ça symbolise aussi un certain bien-être, une certaine sérénité. En tout cas, ici, on est vraiment dans des énergies très, très positives. Waouh, la trappe rêve. La trappe rêve, c'est quelque chose de très très positif. Ça symbolise le bonheur et le succès. Donc on vous dit ici que vous allez en tout cas dans cette énergie d'action vers le bonheur, vers le succès. En tout cas, vous le suivez, hein, ce bonheur, puisque la boussole vous indique la direction. Alors, bonheur, succès avec un partenaire ou une partenaire, bien entendu, ou pour vous-même, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai un bien-être, j'ai du bonheur, du succès. J'ai vraiment de belles énergies ici. Hein. La pleine lune, ça va symboliser déjà l'intuition. Hein, donc, d'être dans l'action, de suivre aussi son intuition, de suivre ses ressentis. La pleine lune, c'est aussi les émotions. Ici, j'ai la trappe rêve, donc c'est aussi un petit peu... on peut me dire aussi que vous pourriez avoir des messages qui vont vous venir un petit peu comme des réponses aussi, pourquoi pas, dans vos rêves. Donc, si vous avez par exemple une interrogation, n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, ou tout simplement à votre âme, de vous envoyer la réponse dans vos rêves. Vous risquez peut-être pas de rêver la première nuit, mais en tout cas,
Dans la semaine qui va s'écouler, il est fort probable qu'on puisse rêver et surtout demander à vous rappeler de votre rêve. N'hésitez pas à avoir un papier et un crayon aussi sur votre table de chevet ou à côté de vous et de noter tout de suite votre rêve parce que parfois, dans les premières minutes de son réveil, on peut s'en souvenir et puis après, il s'en va. Donc, ça peut vous permettre de le noter et puis vous aurez très certainement des éléments qui pourront, par leur symbolique, par leur signification, aller vous aider à trouver une direction dans vos rêves. Donc, vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves aussi, les Sagittaires. La pleine lune, ce sont, c'est aussi tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est aussi don de voyance, don médiumnique, etc. Donc, on peut être aussi, faire des rêves prémonitoires, j'entends. C'est ça, faire des rêves prémonitoires pour certains. Alors, le parc symbolise les réseaux, ça symbolise la foule, ça symbolise le monde extérieur. Et on me dit, en tout cas, que vous suivez un petit peu une belle énergie, une belle... comment dirais-je ? Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on me parle de notoriété, mais pas forcément de notoriété. Je vous dis pas que vous allez être une star célèbre, hein. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça veut dire, en fait, être reconnu pour ses qualités, ses compétences sur le domaine éventuellement professionnel, hein, parce que j'ai l'ours ici, donc on peut être reconnu pour ses compétences par son patron ou sa patronne, hein, parce que finalement, on a été dans ses énergies d'action, ses efforts ont porté leurs fruits, ça vous a mis dans des bonnes directions. Donc du coup, on est reconnu pour ce que l'on est, hein, avec cette carte de la notoriété au final. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, eh bien en effet, hein, la rose des vents fait que c'est en bonne voie pour être reconnu pour votre travail. Votre entreprise pourrait se faire connaître aussi. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose, peut-être un rêve pour vous. Et continuez d'être dans des énergies d'action et surtout de suivre vos émotions parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. C'est ce qui va aussi vous aider à passer des obstacles. Hein. J'avais peut-être ici un moment où on était peut-être un petit peu bloqué, mais on va quand même avancer dans ces énergies-là. Surtout si on le fait avec amour. On suit ses émotions et on le fait avec amour. Comment dirais-je ? Le parc... Oui, enchanteur, amour et parc, on peut très bien hein, cette semaine aussi voir du monde, recevoir du monde, en tout cas des personnes qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur. Et puis ça va vous faire vraiment un grand bien au niveau du moral et au niveau des émotions. Hein. Ça veut dire aussi que finalement, tournez-vous aussi vers des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, hein, amis, famille ou famille d'âme, bien entendu. En tout cas, c'est ce qui vous aidera aussi à éventuellement sortir de vos blocages. En tout cas, moi, il n'y a pas du tout de notion négative ici. Hein. Non, il y a eu peut-être des difficultés hein, pour se faire connaître, comme je disais avant, pour sur le domaine. Il y a eu des efforts à fournir, hein. C'était des difficultés pour pouvoir se faire reconnaître professionnellement, etc. Mais on vous dit que là, les choses sont en train de se débloquer. Mais continuez de suivre le cœur et de faire les choses avec amour. Voilà les Sagittaires. En attendant, ce sera une très bonne semaine, je pense, pour vous. Passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, les Capricornes, à nous pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Quels sont vos messages, les Capricornes ? Eh bien, je vais prendre juste celle-là toute seule, séparée. Alors, suis ton instinct. Alors, une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Suis ton instinct, mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés.
Donc, vous allez être guidés, les Capricornes, pour cette semaine. Vous allez recevoir des messages. Vous allez, en tout cas, devoir aussi suivre votre intuition et votre instinct parce qu'elle va vraiment vous parler cette semaine et qu'elle vous mettra surtout dans la bonne direction. Par contre, on vous dit que tant que vous douterez un petit peu de vous aussi et de que le mental fera, en tout guillemets, des siennes, les doutes risquent de cacher aussi les signes que vous recevez. Vous risquez de ne pas les voir très clairement. Alors, Capricorne, 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai la carte de l'accomplissement ici, les Capricornes, et on vous dit restez concentrés sur ses rêves. Alors ici, ça veut dire aussi rester concentré sur ses rêves, c'est rester focus sur vos objectifs, sur votre but. Peu importe la route qu'il faudra emprunter, peu importe les obstacles qui viendront se mettre éventuellement sur votre chemin cette semaine, restez concentrés sur le but à atteindre. Parce que c'est en visualisant ce que vous voulez obtenir comme si vous l'aviez obtenu que vous attirerez à vous encore plus votre rêve ou en tout cas l'accomplissement de votre rêve. Donc ici, moi pour moi, il y a vraiment une belle énergie cette semaine. Je sens beaucoup de douceur aussi autour de vous. Donc c'est plutôt assez favorable. Capricorne. Et ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée, donc je vais juste prendre celle-là pour vous. Et c'est la carte du phénix, la flamme purificatrice de l'être, accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Donc il y a des choses qui débutent pour vous les Capricornes cette semaine. Alors voyons voir cette carte du phénix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Résurrection, courage, immortalité et pureté. Fascinant animal de légende originaire d'Égypte, cet oiseau aux dons particuliers a toujours éveillé l'admiration. Connu pour renaître de ses cendres, il incarne non seulement une force hypnotique, un sang qui confère l'immortalité, mais aussi un cri qui redonne force au cœur pur et anéantit ceux qui ont de mauvaises intentions. Décrire toute la puissance de cet être fabuleux mériterait bien des pages. Toujours est-il que l'apparition de cette légende dans un jeu marque aussi les épreuves, les difficultés et apprentissages que vous avez dû endurer, ainsi que les souffrances par lesquelles votre corps, votre esprit et votre cœur sont passés. L'oiseau de bon augure vous annonce enfin qu'un changement profond est arrivé. Le phénix brûle, s'embrase. Dans la symbolique, il détruit l'ancien par le feu, ne laissant que cendres et poussière. Puis, il se régénère pour devenir un autre lui-même, plein de force et de vigueur. Il annonce la fin d'une période difficile, celle que vous n'attendiez plus. Les larmes que vous avez laissées couler vont à présent être l'eau de votre guérison intérieure et vous transmuter en une forme de vous-même, pleinement renforcée. Il semblerait que vous ayez enfin compris le sens de toutes ces mésaventures et plutôt que de vous laisser vous y perdre, votre mental s'en est abreuvé pour vous transformer en guerrier spirituel. Les ennemis ne pourront pas rester sur votre chemin ou vous nuire. Votre puissance de volonté les fera fuir à bonne distance. À présent, vous portez la coupe de feu divine en vous. Tant que vous ne serez pas dans une attitude juste et bienveillante, vous serez protégé par la gloire légendaire du phénix. Lorsque le cœur est noble, la chance devient une compagne de grande valeur. Alors, sur le domaine du travail, conquérant, rien ne vous résistera à partir du moment où votre cause est animée par des sentiments purs. Vos convictions vous ouvriront toutes les portes avec une puissance incroyable. Les personnes malveillantes seront écartées. Protection et ascendance fulgurante, métier du feu, sacré ou non, militaire, forgeron, prêtre, pompier, coupeur de feu, etc. Au niveau de l'argent, fin des soucis, une autre manière d'appréhender la matière. Tout vous paraît malléable, vous recevrez ce dont vous avez besoin. En amour, le yin et le yang réunis, une union parfaite et sacrée, un amour immortel. Les feux qui s'étaient éteints vont se rallumer avec ardeur. En amitié, une aide inespérée, extrêmement favorable des amitiés qui durent. En justice, seule la vérité et la foi seront garantes d'un grand triomphe. En santé, santé retrouvée, guérison inexpliquée, regain d'énergie, force. Les zones organes à protéger cette semaine, c'est l'ensemble du corps avec le psychisme, le cœur et l'estomac. Équilibre des méridiens et des centres énergétiques.
Donc ça va remuer les Capricornes pour vous dans la semaine. Alors du 31 janvier au 6 février pour les Capricornes. Alors, bon, ça cogite beaucoup, hein, le mental carbure cette semaine, on est un petit peu stressé. Alors, je sens ici qu'on est peut-être stressé parce qu'il y a eu des blocages, parce que il y a une sorte de stagnation éventuellement dans vos projets ou dans votre quotidien. Donc, on est stressé par cette stagnation parce qu'on aimerait que ça bouge. En même temps, avec cette carte du phénix et cette carte de l'accomplissement, les choses sont en train d'évoluer, hein. Alors, on est peut-être stressé parce qu'on a des examens à passer, parce que on a, comment dirais-je, une formation à faire éventuellement. Mais on va retrouver l'équilibre, hein, en fin de semaine, hein. On est peut-être stressé parce qu'on a éventuellement du mal à trouver une formation. Ça semble bloqué. On a des décisions à prendre, mais en même temps, on va prendre des décisions qui vont vous permettre de mettre fin aussi à cette cogitation qui vous perturbe, hein. On vous dit aussi que pour certains Capricornes, il s'est possible aussi de prendre, comment dirais-je, la décision d'en parler à quelqu'un, pourquoi pas de faire une thérapie pour mettre aussi en lumière certains blocages, certaines émotions qui vous le malmènent déjà depuis quelque temps. Donc, en effet, hein, on vous dit que vous retrouverez stabilité et force ici, à condition éventuellement de prendre une décision importante que de vous faire aider par le biais de parler ou de communiquer à quelqu'un de ce qui vous bloque et de ce qui vous gêne. Ouais, on parle de confiance ici, hein, de confiance, de loyauté, d'amitié. Donc oui, ça peut être quelqu'un de confiance à qui on a besoin de parler pour un petit peu aider à extérioriser le stress. Mais le stress va prendre fin aussi. On vous dit que, en effet, hein, vous êtes peut-être stressé parce qu'on arrive à la fin d'une formation, on arrive à la fin de quelque chose et on attend les résultats. Bon, j'ai un CDI ici, hein, qui arrive aussi pour certains dans cette semaine. Si les choses sur le plan professionnel étaient bloquées, on me dit que ça va prendre fin parce que j'ai des signatures de contrat qui sont stables. On me dit qu'à partir du moment où vous prenez la décision avec votre cœur et avec force et confiance en vous, les choses devraient avancer. On me dit que des nouvelles vont arriver à vous, hein, que vous allez avoir sûrement des appels téléphoniques des appels téléphoniques qui vont mettre fin à une situation en vous proposant éventuellement un contrat, un CDI pour certains même. En tout cas, c'est quelque chose qui va se stabiliser. Justement, on est peut-être stressé parce qu'on attend la décision d'une forme, d'une, comment dirais-je, comment on appelle ça? Ah, d'un entretien d'embauche que l'on a fait, hein. Mais on dit restez confiant, surtout faites-vous confiance. Si vous, en début de semaine, vous allez à un entretien d'embauche, allez-y avec confiance, la tête haute, en étant sûr de vous. Parce que ça pourrait être tout à fait positif pour vous, cette signature. En tout cas, vous allez récolter aussi finalement quelque chose de stable avec une décision aussi qui sera à prendre. Mais on me dit en tout cas que les obstacles, le blocage en tout cas, va prendre fin pour cette semaine. Donc, il y a bien une période de négativité qui se termine grâce à une révélation qui vous sera faite. Hein, le grimoire, c'est aussi la révélation. C'est en tout cas, on prend conscience de quelque chose. On peut aussi avoir ce petit déclic qui vous met un petit peu en disant, bah oui, en fait, c'est vrai, je cogite beaucoup, j'ai le mental qui sature beaucoup, mais voilà, je prends conscience que ça doit changer et d'abord dans ma tête et dans mes pensées pour que je puisse enfin évoluer vers quelque chose de stable et de positif.
Pour d'autres, on va me parler d'une rencontre amoureuse aussi ici. Hein, si la vie sentimentale était bloquée jusqu'à présent, me dire reprenez confiance en vous, ne stressez pas, il est fort possible que l'on puisse rencontrer, je ne sais pas, par les réseaux sociaux éventuellement, par téléphone ou en tout cas d'invitation. En tout cas, ici, on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Et on me parle aussi que sur le plan amoureux, des décisions peuvent être prises et qui vont aider, en fait, j'ai la stabilité amoureuse ici. J'ai une relation stable qui s'établit. Soit vous rencontrez quelqu'un avec qui ça sera stable, soit, entre guillemets, on est dans une relation déjà stable aussi. Ce qu'on me dit, en fait, finalement, ça correspond parfaitement bien au Phénix cette semaine. Il est possible qu'après certains blocages aussi sur le plan amoureux, pour un couple, par exemple, eh bien, on a pas mal stressé, mais on prend des décisions qui vont aider le couple à aller de l'avant. On va finalement arroser un petit peu son couple comme on arroserait une fleur de bienveillance et de positive attitude afin d'aider à améliorer la situation. Et on vous dit en tout cas que dans le temps, ça va être beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré, les Capricornes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, les Béliers, semaine du 31 janvier au 6 février. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, celle-là veut venir. Ascenseur émotionnel pour les Béliers. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis « t'es chiante », c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. C'est plutôt pas mal. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons. Nirvana et crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Donc on va vous demander cette semaine, les Béliers, de prendre du recul sur des situations qui vous mettent un petit peu à mal au niveau émotionnel. Je ne sais comment vous pouvez prendre du recul, mais... est-ce que de toute façon vous stressez, vous angoissez pour cette situation dans laquelle vous êtes va vous permettre au contraire de vous sentir mieux ou au contraire c'est pire puisque un coup on est super chouette, un coup on sait la grosse dégringolade. Donc du coup peut-être que le fait de rester un petit peu plus distant comme si vous étiez spectateur de la situation pourrait peut-être vous aider au niveau de vos énergies. Alors Bélier. Janvier au 6 février. Mystère, magie et émoi avec la forêt enchantée. Alors, j'ai la lune, j'ai les émotions, j'ai l'ancrage hein, qui apparaissent vraiment dans cette image. Je ressens vraiment... j'ai pas mal de cœur aussi. Donc, on vous dit ici que cette semaine, bien sûr qu'il pourrait y avoir une part de mystère et de magie pour vous dans cette semaine-là, mais j'ai aussi la carte, le mot « émoi », c'est-à-dire l'émotivité, les émotions. En effet, hein, on est encore ici... dans les émotions, hein, ici, pour la forêt enchantée. Donc, on va me parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ce qui va peut-être vous aider à apaiser les émotions, c'est d'être davantage ancré cette semaine. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre un temps pour vous, un temps d'introspection, un temps de recul. Hein. On est encore dans un temps de recul ici, afin de pouvoir y voir plus clair sur vos émotions. Alors, c'est un petit peu... Voilà, je vous montre l'image parce qu'elle me parle vraiment beaucoup là. C'est-à-dire que si vous étiez en fait le nez collé à ce tronc d'arbre, vous ne verriez pas les émotions, vous ne verriez pas en fait tout ce côté émotionnel au-dessus de vous. C'est-à-dire que la lune symbolise les émotions, j'ai le bleu qui symbolise aussi le côté émotionnel. Donc en fait, en ayant le nez collé sur cet arbre-là, vous ne voyez pas en fait ce qui se passe au-dessus ni ce qui se passe en vous. Or, si l'on prend du recul par rapport à ce tronc d'arbre et qu'on s'en éloigne, eh bien du coup... Non seulement on peut voir l'arbre, mais on peut aussi voir les émotions. On peut voir un petit peu ce qui vous accable un petit peu ou ce qui vous met un petit peu à défaut. Donc voilà, prenez du recul et vous y verrez sûrement plus clair. Ça vous permettra aussi d'avoir une autre vision des choses.
Bélier. Ah, la béquille. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyez les béliers pour cette semaine. Allons voir la carte de la béquille. Aide, faiblesse, volonté, persévérance. Il se peut que vous ayez besoin d'aide. Regardez autour de vous qui vous aidez et où sur quoi vous pouvez trouver un appui. Non, qui peut, disons bien un mot, qui peut vous aider et où sur quoi vous pouvez trouver un appui. Il n'y a pas de honte à demander assistance lorsque tout bouge autour de soi et que le sol semble se dérober à chaque pas. Vos certitudes peuvent être ébranlées et ce manque de solidité peut vous perturber. La bienveillance inattendue de quelqu'un de votre entourage pourrait être salvatrice à condition qu'elle ne soit pas dévorante pour autrui. Il arrive que nous ayons du mal à avancer et que nos pieds ne puissent plus nous porter. La béquille est une force pour rester en équilibre le temps des réparations. Sortir de son ego et accepter une main tendue est parfois un effort nécessaire pour se sortir d'une impasse. C'est une épreuve d'humilité. La béquille aide non seulement à se relever, mais aussi à se fortifier. Et comme je le dis toujours, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Il se peut aussi que la tâche qui vous attend vous semble irréalisable. Les mots d'ordre sont alors persévérance, pugnacité et volonté. Il n'y a rien d'insurmontable. Il faut avancer tranquillement. N'oubliez jamais que, dans une course, le handicap est donné au plus fort. Et je ne sais pas pourquoi, j'entendais peut-être que si vous avez envie de faire du tri, du ménage chez vous, ou que vous avez peut-être beaucoup de paperasse à mettre à jour, je ne sais pas, enfin je sens ce genre d'énergie peut-être autour de certains béliers, eh bien faites-en un petit peu tous les jours, voilà. Hein. Si ça peut en tout cas s'étaler sur une semaine, faites-le. Par exemple, j'entends si vous voulez faire du tri dans votre maison parce que vous déménagez, eh bien dites-vous, bah, le lundi je fais une pièce. Et je m'y emploie. Le mardi, je fais une deuxième pièce. Et je m'y emploie, etc., etc. Puis s'il y a vraiment une pièce énorme, entre guillemets, à trier, par exemple, genre un grenier, eh bien, dites-vous que vous le faites sur 2 jours. Et surtout, je demande de l'aide. Peut-être que ça vous aidera aussi à avancer plus vite et de façon moins stressante. Voilà. Alors, la projection. Tendance à vous appuyer sur des certitudes, le lâcher prise est requis, vous avancerez peut-être doucement, mais la prudence est demandée. Restez calme pour arriver à vos fins. Alors, sur le plan du travail ou des examens, dépassement des difficultés malgré les handicaps, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, même si la barre paraît infranchissable. Il faut avancer à petits pas, la récompense n'en sera que plus appréciable. Les métiers associés, aide sociale, kinésithérapeute, métiers du bâtiment, du sport, avocat, tout ce qui est en lien avec une forme de reconstruction. Donc ce sont aussi des personnes qui peuvent aussi vous aider, comme un kinésithérapeute, alors je ne sais pas, j'allais dire kinésiologue aussi, peut-être aussi, ça peut vous aider, hein. Une aide sociale, en tout cas, tous ces corps de métiers peuvent aussi vous aider à débloquer une situation. J'entendais le métier du bâtiment, si vous cherchez à faire construire quelque chose, n'hésitez pas aussi à faire intervenir aussi des métiers du bâtiment ou un avocat si c'est pour le plan juridique. Au niveau de l'argent, un prêt ou l'aide d'un partenaire peut être un coup de pouce supplémentaire dans la réalisation de vos projets. En amour, il peut s'agir de votre conjoint, de votre partenaire ou de vous-même. Gage de solidité, l'appui est un échange dans le couple, mais il sera nécessaire que la situation reste temporaire. Si vous démarrez une relation, ne brusquez rien et allez-y tranquillement. Alors, la situation doit rester temporaire parce qu'en fait, quand on s'appuie sur l'autre, il ne faut pas non plus tomber dans une relation de sauveur-sauvé. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on donne tout à l'autre pour que l'autre s'appuie sur soi, mais on n'a rien, entre guillemets, en échange et ça reste tout le temps comme ça. Du coup, vous portez déjà peut-être vos soucis sur vos épaules, mais si vous devez aussi porter quelqu'un sur vos épaules, vous allez vous épuiser. Donc, c'est pour ça que la situation doit rester temporaire. En amitié, une main tendue ne vient pas toujours de l'entourage connu. Restez ouvert, ne refusez pas les possibilités qui peuvent venir d'un étranger. Et au niveau de la santé, vous pourriez être ralenti. Et les zones organes à surveiller et à prendre soin cette semaine sont les jambes et la colonne vertébrale. Voilà les béliers et on poursuit. Bélier.
Alors, bélier, communication. Bah déjà, le fait de demander de l'aide, oui, c'est être dans la communication avec son entourage, avec des gens qui sont peut-être compétents pour vous aider. En tout cas, communication, mot d'ordre de la semaine pour vous les béliers. Énergie principale, bien-être, repos, guérison. La guérison, le bien-être, le repos pourraient passer par la communication. On pourrait recevoir des appels téléphoniques, des messages aussi qui vont en tout cas venir apaiser une situation. En tout cas, le Sakura, moi, j'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi, dans cet oracle, c'est une de mes préférées. Le Sakura, c'est, je sais pas, s'il était en couleur, j'imaginais un peu comme un cerisier japonais. Voilà, quelque chose de tout rose comme ça, un petit peu bonbon rose avec un tronc un peu tordu mais qui fait que c'est quelque chose de tellement beau. Et du coup le Sakura ici, en effet, hein, c'est vraiment le bien-être, c'est prendre du temps pour soi, pourquoi pas aller faire des soins, ça peut être aussi, comment dirais-je, calme, ancrage, patience aussi vous est demandé. Le Sakura, ça peut être aussi faire un soin énergétique, faire un soin de bien-être, aller chez l'esthéticienne, aller se faire masser, enfin si vous en avez l'occasion. Ça peut être aussi quelque chose de bénéfique pour vous cette semaine. Bon, en effet, hein, j'ai vraiment des messages qui arrivent et qui vont vous amener quelque chose de positif et de repos. Hein. On me dit que vous êtes guidé, que cette situation est protégée, que vous allez recevoir des messages et des synchronicités de vos guides aussi pour vous mettre dans la bonne direction et vous emmener vers quelque chose de meilleur. Bon, guérison en effet. Hein, si vous étiez un petit peu mal fichu aussi, on vous dit que vous allez vous sentir très vite mieux. L'énergie va revenir. Alors. Je sais pas, là j'ai la carte du serpent, mais ça me fait penser au caducée en fait de la médecine ou de la pharmacie, vous voyez. Donc on me dit aussi que n'hésitez pas éventuellement hein, à aller voir votre médecin hein, s'il y a quelque chose qui cloche un petit peu entre guillemets, afin d'avoir le remède en fait adéquat pour vous sentir mieux aussi. Bon, j'ai vraiment des courriers, des lettres qui arrivent, quelque chose de positif qui va mettre fin à une situation difficile aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui... alors, ça peut être vous, hein, qui décidez d'envoyer un courrier, une lettre ou quelque chose comme ça à une personne avec qui vous voulez couper les ponts, avec une personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Et du coup, ben, on met fin à cette situation. Hein, et c'est vous qui mettez peut-être fin à cette situation. Deuxième chose, on me parle de signature, de lettres, de contrats. En tout cas, il y a des documents qui se signent ici, dans lesquels on va se sentir beaucoup mieux parce qu'on prend vraiment du recul, voire couper complètement des liens avec vraiment une situation ou des personnes négatives. Ouais, on me parle de confiance, donc on pourrait aussi ici avoir l'appui, l'aide d'un ami, l'aide nécessaire ici pour sortir d'une période difficile et y voir un peu plus clair. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide éventuellement à rédiger un courrier ou une lettre, en tout cas qui va vous aider à... Ok, on me dit que vous pourriez avoir de l'aide pour rédiger un courrier, une lettre que vous allez expédier et qui mettra fin à une situation compliquée. Ouais, j'ai l'énergie masculine avec la carte du Yang. Donc, on vous dit que ce sont vos énergies d'action. C'est d'être dans l'action, de mettre fin à une situation avec une personne ou une situation négative qui vous ramènera du bien-être et du positif, en tout cas, dans votre semaine. Mais vous êtes protégé dans cette situation, vous serez protégé. On me dit aussi que vous avez la protection éventuellement de personnes de confiance autour de vous, d'amis, de personnes en tout cas fiables autour de vous et qui vont être dans cette énergie aussi de vous aider à retrouver en tout cas une certaine guérison, un certain apaisement. Mais en tout cas, ici, on me dit que n'hésitez pas, pour résumer, à demander de l'aide cette semaine. Surtout à des personnes autour de vous et en qui vous avez vraiment confiance. Coupez les énergies négatives qui sont à couper, entre guillemets, pour pouvoir retrouver un mieux-être et un équilibre meilleur, en tout cas. Mais soyez, en tout cas, dans des énergies d'action. N'attendez pas que les choses se passent si vous voulez que ça avance. Au contraire, soyez actifs ou actives et les choses évolueront. Mais j'ai des signatures ici, j'ai des contrats éventuellement aussi qui vont se signer, qui vont se faire et qui vont vraiment amener un mieux-être dans votre semaine, les béliers. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.
Alors, les Gémeaux. Semaine du 31 janvier au 6 février. Vos énergies. Alerte au bol frais. Au bol d'air, pardon. Pas au bol frais, peut-être aussi, hein, au bol d'air frais. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués, mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc prenez du temps pour vous les Gémeaux ici, hein. Sortez un petit peu de vos pensées, sortez de chez vous aussi, prendre l'air, ne serait-ce que 15 minutes au bord de l'eau, dans la forêt, en tout cas faire un tour de pâté de maison, enfin à vous de voir par rapport à là où vous pouvez aller vous promener autour de chez vous. N'hésitez pas à sortir de chez vous pour vous aérer et pour finalement, ça vous permettra voilà, d'éclaircir vos pensées et d'y voir un peu plus clair. Gémeaux, 31 janvier, 6 février. Terre mère sacrée, message d'amour. Alors, c'est rigolo parce que alerte au bol d'air, ici terre mère. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour votre énergie, entre guillemets, du chakra cœur surtout, et pour être capable d'apaiser vos pensées, pour écouter davantage votre cœur cette semaine, les Gémeaux, il vous est dit de pouvoir éventuellement vous reconnecter à la terre. Donc ça peut être, voilà, comme je vous disais, sortir, vous promener à l'air libre si vous en avez la possibilité. Si vous avez la possibilité de faire du jardinage, par exemple, allez-y, faites-le. Même si je sais qu'en mois de février, c'est un peu compliqué, hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous reconnecter, à vous réancrer à la terre en allant justement vous promener dans la nature, respirer un bon bol d'air frais. Pour ceux qui ont des enfants aussi, on me dit terre mère sacrée, eh bien on pourrait avoir une belle énergie maternelle aussi. Alors ça peut être aussi paternelle hein, pour les papas bien entendu, hein, mais ici on va être dans une énergie d'amour cette semaine, en tant que parent aussi, pourquoi pas, puisque j'ai quand même le mot mère qui apparaît. Et comme on est dans une énergie général, eh bien pour moi aussi, j'y mets aussi le père. Donc du coup, en fait, on est aussi voilà, dans quelque chose d'ancré en tant que parent aussi. Sacré aussi, terre-mère sacrée en tant que parent, j'entends aussi message d'amour, le cœur. Prenez aussi du temps avec vos enfants si vous en avez. C'est important. Mon 31 janvier, si février, il y en a une qui veut venir. Le diable, les masques vont tomber. Méfiez-vous de ce qui est trop beau. Avec la carte 22. Alors, passion, exier, fortune mal acquise, esclavage. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le tête dans le guidon ici. Hein. Veillez à être prudent ou prudente en ce qui concerne les conseils de personnes qui vous entourent et qui pourraient vous influencer négativement. Le diable et son masque peuvent avoir une approche séduisante, mais les illusions sont aussi vides que le gouffre dans lequel vous pourriez tomber. La perversion est vicieuse et ceux qui ne la décèleront pas profiteront quelque temps de belles faveurs. Cependant, le prix du retour d'intention sera sans doute très élevé pour leur âme. En effet, derrière le personnage se cachent des notions de sacrifice. En une fragment de seconde, le revers pourrait vous rendre esclave ou vous livrer pieds et poings liés à une situation incommodante. Attention donc à ce qui semble trop beau, on pourrait vous faire porter le chapeau. Toutefois, le diable symbolise aussi les parties sombres cachées en soi. Il peut ainsi nous être demandé d'affronter celles-ci afin de mettre en lumière et de libérer les talents dissimulés en notre cœur. Certaines peurs sont paralysantes. Les connaître et les dépasser sont une victoire absolue. D'où le fait que, en les dépassant, on apaise son mental qui, finalement, est lié aux peurs pour pouvoir enfin écouter son cœur.
Le diable fait appel à notre instinct animal selon le domaine et les passions. Il peut être aussi bien bénéfique qu'éveiller une forme de méfiance. Sur le plan du travail, possibilité d'opportunités pardon, exceptionnelles, soyez vigilante ou vigilant sur les termes des contrats à signer. Social, attention aux intrigues. Donc attention, si vous avez des signatures de contrat à faire, lisez toutes les petites lignes, d'accord? Au niveau de l'argent, richesse, potentiel et réussite. Si l'acquisition n'est pas claire, attention aux retombées. En amour, passion, réveil animal, sexualité excessive. En amitié, attention aux conseils, restez à distance des histoires qui ne vous concernent pas. Intrigue, mystère, les visages amicaux peuvent dissimuler des intérêts personnels. Au niveau de la justice, il peut y avoir des manœuvres malhonnêtes ou tortueuses. Méfiance. Et sur le plan de la santé, excès à surveiller, addiction. Donc attention, excès à surveiller, la tête dans le guidon. Prenez le temps de souffler. Alors, Gémeaux. 31 janvier au 6 février. La faux ici, des décisions bien tranchées, bien claires, des décisions justes aussi vont être prises, mais on peut parler aussi de récolter. Donc c'est pour ça aussi, quelque part, j'avais le diable qui tombait, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et j'espère, entre guillemets, que pour vous, vous avez semé des choses avec votre cœur, ce qui fait que vous allez récolter vraiment du positif. Ça veut dire aussi couper avec une situation, couper avec... des émotions, hein, ici, on va me parler d'émotions, de ressentis, d'intuition aussi avec la pleine lune. Alors, on va me parler de couper aussi avec des émotions vraiment à l'intérieur de soi. Les émotions, le manoir, ça peut symboliser aussi l'intérieur de soi. Les poissons, c'est l'abondance. Et les émotions sont vraiment ici à l'intérieur de soi. Les poissons, avec finalement l'eau, peut symboliser aussi des larmes qui sont versées ici, mais pour se libérer. Hein. On se libère pour moi ici. Hein. Très clairement, on se libère d'un poids, d'un fardeau. Il y a quelque chose qui retombe pour un apaisement. Ça, c'est certain. On me dit aussi que si vous avez une décision à prendre concernant une transaction immobilière, faites-le avec vos ressentis, suivez votre intuition. J'ai la carte de l'enchanteur qui va symboliser votre partenaire ou vous-même, mais qui symbolise aussi une énergie d'action. Donc c'est en étant dans l'action de prendre des décisions que finalement les émotions pourront évoluer. On va me parler de signature, de contrat, d'écrit ici. Donc, en effet, on peut avoir une signature pour un bien immobilier. Et on va vous dire d'écouter vos intuitions. On peut me parler d'une signature d'un contrat pour un commerce, pour être à son compte aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Un travail autonome. J'ai deux fois le masculin et là, en plus, côte à côte. Hein, ils sont tous les deux côte à côte, le masculin. Donc, on vous dit que les Gémeaux, cette semaine, c'est la semaine où on agit. On agit pourquoi ? Pour de la sérénité. Si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte, on me dit que vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité concernant votre indépendance, votre travail indépendant. On peut avoir un apaisement aussi des finances parce qu'on aura été dans l'action, parce qu'on aura agi comme il fallait. J'ai des déménagements à prévoir pour certains Gémeaux ici avec la cigogne et la maison. On va me parler de communication hein, qui peuvent arriver à la maison. On peut recevoir un coup de téléphone à la maison. Alors, ça peut être pour annoncer une grossesse, hein, bien entendu, mais ça peut annoncer aussi un changement positif. Des signatures, voilà. Des signatures ici vont se faire hein, pour cette semaine et qui vont amener en tout cas beaucoup de succès, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité.
Et c'est ces signatures-là qui font que les choses évoluent et que les choses avancent, hein. On parle de changement, d'amélioration. On peut me parler de réconciliation à la maison, hein, si vous étiez un petit peu brouillé, fâché avec quelqu'un, si c'était compliqué éventuellement avec les enfants, enfin. Il y a une réconciliation possible aussi, mais cette réconciliation va passer par la discussion et la communication. Si vous n'arrivez pas à dire les choses à l'oral aussi, faites-les par écrit, ça peut vous aider. De mettre vos émotions aussi par écrit. De bonnes transactions sont à prévoir, hein, sur le plan financier ici aussi, hein, puisque ici, la couronne de lys symbolise, voilà, comme je vous disais, la réussite, le bonheur, l'apaisement. Et on vous dit, bah, si vous avez quelque chose à signer, si vous avez une transaction immobilière à faire, une transaction, une demande. Donc, une demande de prêt aussi pourrait être, entre guillemets, signée ou demandée et avoir cet impact de sérénité derrière parce qu'elle pourrait être accordée. Voilà, en tout cas, les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, les Lions pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Quelles sont vos énergies ? On saute le pas, les Lions, pour cette nouvelle semaine. Alors, c'est parti mon kiki, dit-elle. Alors, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels ? Et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois les sauter, les yeux fermés. Go ! Alors, on vous dit, bah, aie confiance en toi, aie confiance en l'univers, aie confiance, tout va bien se passer. Il faut sauter du plongeoir pour pouvoir avancer sur votre projet, sur ce qui vous fait envie. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas parce que le mental a un petit peu peur de se lancer. Mais on vous dit que là, il n'y a pas de souci. Ça peut être on saute le pas pour donner aussi, pour dévoiler ses sentiments à quelqu'un aussi, hein. Alors, Lion. Semaine du 31 janvier au 6 février. Évolution. Magnifique carte. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Alors, on vous parle de changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, eh bien déjà, la première chose, c'est évolution. Donc en fait, en effet, on saute le pas, on va vers une évolution positive ici. J'ai quand même la lumière qui apparaît ici. Donc on va vers la lumière, on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a cette lumière au bout que vous commencez à entrevoir ou à percevoir et on vous dit bah, d'y aller, entre guillemets, de sortir du tunnel. Et pour cela, il va peut-être falloir prendre une décision radicale. Dans le sens où si on avait envie de se lancer dans un projet professionnel et qu'on n'osait pas, eh bien on vous dit allez-y, il n'y a qu'à suivre. En plus, toutes ces lumières peuvent symboliser aussi pour moi vos guides qui vous envoient un petit peu les lumières, l'énergie nécessaire pour le faire. Ces trois points peuvent symboliser aussi à la fois l'ancrage, le coronal et le chakra cœur. Il y a les autres qui ne sont pas forcément visibles parce que ceux-là vont vraiment émaner. Donc ça veut dire qu'à la fois on est collé à la terre dans le sens ancré. En même temps, on brille par soit son plexus solaire, soit son chakra du cœur. Donc, on suit ses émotions, on suit son cœur ici. Et on est connecté à là-haut aussi pour recevoir les messages que l'on vous envoie. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc, on est aussi dans une transformation ici pour vous les lions. Hein. Très clairement pour cette semaine-là. Alors, j'ai juste... Je ne l'ai jamais eu celle-là, j'ai un doute sur le changement climatique, changement de terre. Alors, changement de la terre, on a peut-être envie de changer de lieu géographique cette semaine. Et on va peut-être enfin sauter le pas et prendre la décision de le faire. On a envie de changer peut-être de climat aussi. Hein, peut-être qu'on en a un petit peu marre d'avoir froid et de la pluie. Et puis on a envie d'un peu plus de soleil. Donc on peut aussi éventuellement avoir pour projet de changer de lieu géographique aussi pour pouvoir changer de climat. Alors, 4,45, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ah, bah on vous dit aussi que quelque part, la planète, elle est en train de se transformer et de changer, que ça nous plaise ou pas. Elle évolue, elle monte en vibration. On vous dit que vous devez cette semaine être attentif à notre mère, la Terre, comme d'ailleurs pas forcément que cette semaine, mais en temps normal. Et que la nature, elle est changeante un petit peu, qu'elle est toujours en évolution, qu'elle est en constante transformation. Et qu'il faut un petit peu aussi prendre exemple sur elle, sur le fait que, eh bien, vous aussi, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer un petit peu comme la Terre. La Terre évolue, la Terre monte en vibration aussi, hein, depuis vraiment pas mal de temps maintenant. Et bah, vous aussi, vous continuez votre évolution et votre transformation pour vous aligner à elle. Et pour que bah, les changements soient moins difficiles. Donc, il peut y avoir aussi peut-être un peu de fatigue ou des choses un petit peu physiques qui font un petit peu montrer que vous êtes en évolution aussi. Donc ne vous alarmez pas si par exemple on a, je ne sais pas, des larmes qui coulent, on ne sait pas pourquoi, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi, on a mal au ventre, on ne sait pas pourquoi. C'est juste que vous êtes en train d'évoluer et de monter en vibration aussi, les lions pour cette semaine. Pont bucolique pour vous. Alors, le pont bucolique, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Les transitions apportent le recul et la réflexion utile pour accueillir le changement. Donc, on me reparle encore de changement. Il y a vraiment quelque chose qui change cette semaine pour vous, les lions, hein. Ça, c'est clair, hein. On me dit, vous êtes dans une transition. Accueillez cette transition pour finalement, bah oui, passage, possibilité. Accueillez cette transition pour pouvoir passer. Cette période laisse planer une forme de calme. L'expression le cul entre deux chaises prend tout son sens avec cette carte. C'est pas moi, c'est l'expression qui est écrite. En effet, cette tranquillité apparente annonce une période de changement, une transition avant de grands chamboulements de prise de décision. Vous êtes comme en attente, le souffle suspendu et prêt ou prête à attraper la prochaine liane grâce à laquelle vous allez changer d'arbre. Ce temps peut vous paraître plus ou moins long, cependant il est nécessaire pour que vous puissiez trouver une certaine quiétude en vous et que vous abordiez sereinement la prochaine étape. Profitez-en pour vous reposer, lire, ralentir le rythme, respirer. Bref, détendez-vous. Il est devenu rare de suspendre le temps et de profiter simplement de la vie. Les impatients pourraient ressentir ce temps mort comme un blocage et pourraient s'en sentir irrités, alors qu'il s'agit là d'un temps pour être tranquille et prendre les forces nécessaires avant une nouvelle aventure. Ne tentez pas d'accélérer les choses ou vous aurez la sensation de pédaler dans le vide et de ne pas avancer. Cette carte du pont bucolique a un aspect tout à fait paisible. Elle engage à la douceur, aux rêveries, au développement d'une partie intime de soi, peut-être un monde intérieur qui ne recherche qu'à s'exprimer. Sur un plan purement ésotérique, ce pont symbolise aussi la frontière entre deux mondes, une paroi fine qui laisse entrevoir ce qui se cache de l'autre côté et permet de répondre à certaines interrogations. Pour ceux qui viennent de vivre un deuil, le pont indique que la personne est bien arrivée et que tout va bien. Cette carte est une forme de libération pour ceux qui ne veulent rien lâcher, alors qu'un certain détachement est nécessaire pour atteindre l'étape suivante. L'univers fera le nécessaire pour vous placer dans une forme de cocon, sécurisant dans lequel vous vous sentirez pleinement protégé. Soyez en paix, lâchez prise et tout ira bien. Projection. Sur le domaine du travail, une période calme, profitez-en pour chercher un domaine dans lequel vous vous reconnaissez. Faites un break, moment propice pour demander des congés. Au niveau de l'argent, en équilibre, si vous êtes dans une période de restriction, cela ne durera pas. Patience. Au niveau de l'amour, amour tranquille pour les couples, transition pour les célibataires, le temps n'est pas à la rencontre mais au développement de soi. Amitié, rien à signaler, tout est serein dans vos relations. Justice, les dates de procès semblent hors de portée mais finissent toujours par arriver. Santé, la paix en bonne santé ou dans la maladie. Période d'apaisement. Les zones organes à faire attention et à protéger sont les systèmes nerveux, les poumons et le diaphragme cette semaine. Le diaphragme, en effet, pensez à votre respiration, les lions, cette semaine. Faites des exercices de respiration, ça pourrait vous aider. Alors, Lyon, 31 janvier aussi février.
pas venir. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le dos de deck, on m'envoie vers soit vous, soit votre partenaire, mais on m'envoie surtout vers une énergie masculine. Donc, on va être dans l'action ici. Pour vous, les lions, on vous dit qu'il est temps d'être dans l'action. Hein. On saute le pas, il est temps d'agir, il est temps de sauter le pas. Peut-être que certains, pour sauter le pas, ont besoin d'écrire quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement d'écrire une lettre, on a besoin de signatures, on a besoin de faire des courriers, des demandes. En tout cas, il y a des signatures, il y a des écrits, il y a des échanges par courrier, des mails, pourquoi pas, qui en tout cas vont être mis en lumière et mis en évidence cette semaine, puisqu'elle est quand même au centre de votre tirage. Donc, les écrits vont être importants cette semaine pour vous. Il peut s'agir d'être dans l'action d'écrire, bien entendu. On peut aussi recevoir des nouvelles. On peut recevoir éventuellement des lettres. Mais en tout cas, on me parle ici de sérénité, d'apaisement avec cette couronne d'hélice. Donc, on peut recevoir un mail, un courrier, alors de la part de votre partenaire, par exemple, si c'est sur le plan amoureux, ou en tout cas, on peut recevoir un courrier parce qu'on a été dans l'action éventuellement de le faire. Ça peut être tout simplement une réponse à un courrier que déjà vous avez fait, à un mail. Et cette lettre, cette signature qui arrive à vous, ce courrier qui arrive à vous, amène vraiment un apaisement, amène une harmonie, amène peut-être une récompense aussi. Oui. On peut avoir ici des écrits en lien avec une formation, un examen que l'on a passé et on va être récompensé de ses efforts. Donc ici, on me dit que si vous avez envie de passer une formation, de passer un examen, alors ça peut être en candidat libre aussi, pourquoi pas, on vous dit que soyez serein, les choses devraient être récompensées si vous avez en tout cas fait ce qu'il fallait pour travailler et pour être, comment dirais-je, pour vous donner les chances, bien entendu. On me parle d'amour aussi ici, donc on pourrait recevoir une lettre d'amour hein, ou un message d'amour de quelqu'un, quelqu'un qui pourrait se dévoiler aussi. Hein. Pour vous les lions, on pourrait recevoir en tout cas la révélation des sentiments de quelqu'un aussi à votre égard ou, bien entendu, puisque j'ai quand même le côté émotionnel, on saute le pas, quand je vous disais que ça pouvait être certains lions ici ou certaines lionnes, certaines femmes lions aussi qui avaient envie éventuellement de déclarer leur flamme à quelqu'un, on me dit ici que ça va être le cas. Hein. On dévoile ses sentiments à quelqu'un, on révèle ses sentiments à quelqu'un, ou bien c'est quelqu'un qui vous le révèle. On me dit ici que vous êtes sur la bonne voie, que ça vous mettra sur le bon chemin et sur le chemin surtout de la sérénité. On est stressé par contre, hein. On cogite beaucoup à ça. Hein. Ce courrier-là, cette lettre, enfin ce que vous avez à faire en tout cas, vous demande beaucoup de cogitation. Ça remue pas mal au niveau des émotions. Hein. Mais pourtant, on me dit avec la carte de l'étoile que vous recevez des signes, que en plus, c'est votre cœur qui parle. Donc, ça veut dire que vous recevez déjà des signes par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions. On vous dit que votre cœur vous met dans la bonne direction, celle de la sérénité, pour finalement apaiser le mental. On vous dit qu'il y aura une révélation de fait, hein, peut-être par le biais d'un message ou d'une lettre cette semaine, pour vous aider à prendre éventuellement des décisions. On me parle de guide, de spiritualité aussi. Donc, on me dit aussi que si vous avez un projet de cœur en lien, pourquoi pas, avec la spiritualité, ça peut représenter un lieu géographique, des démarches administratives à faire aussi. On me dit, en tout cas, que ça peut paraître stressant, mais que c'est quand même pour de la sérénité, du positif. Il y a vraiment une issue positive à ça. Ce qu'on me parle aussi, c'est que les souris, ça parle de stress quelque part. Et on vous dit que finalement, ne vous laissez pas manger par ce stress. Au contraire, servez-vous-en comme carburant, entre guillemets, pour pouvoir avancer dans ce que vous avez à faire, parce que vous avez besoin d'être dans une énergie d'action.
les lions ici. Hein. Et l'attrapeur rêve, c'est vraiment le bonheur, le succès, l'épanouissement. Donc il y a un projet ici, il y a quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous accorde l'épanouissement, le succès, le bonheur. Mais il va falloir écouter vos ressentis, écouter vos émotions et surtout être dans l'action pour pouvoir avancer sur ce chemin. Voilà. Ça peut voilà, correspondre aussi à un projet spirituel. Ça peut... je ne sais pas. Ça peut être en lien avec le cœur. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'amour, du... Comment dirais-je ? De suivre, en fait, hein, de suivre son cœur, tout simplement. Suivez votre cœur, suivez vos émotions et il vous mènera à bon port, surtout avec la carte de la rose des vents. Mais ne vous laissez pas manger par votre mental, ne vous laissez pas manger par votre stress, entre guillemets. Plutôt que de se focaliser sur la tête, focalisez-vous sur vos émotions et sur vos ressentis, les lions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, les lions. Alors, les taureaux maintenant. Taureaux, semaine du 31 janvier au 6 février. Quelles sont vos énergies? Youpla. Eh bien, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Rien à prouver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire cette carte? C'est un peu grande. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle dit? Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc ça veut dire que ici, vous n'avez rien à prouver à personne, entre guillemets déjà. On vous dit que peu importe ce que vous faites, commencez par vous féliciter vous-même de vos réussites, de vos petits objectifs. Et c'est tout bête à dire, hein. Mettons, voilà, vous êtes au foyer, vous avez des objectifs, bah tiens, aujourd'hui, allez, faut que je mette à jour mon linge, je sais pas. En fin de journée, vous avez réussi à le faire, allez, félicitez-vous, c'est bien, au contraire. Ça peut être, vous avez, je sais pas, de l'ordre à mettre dans votre paperasse, bah, vous pouvez vous y mettre, et puis bah, félicitez-vous à la fin de la journée d'y avoir fait une partie, même si c'est pas terminé. Félicitez-vous à chaque fois que vous réussissez quelque chose, même si c'est quelque chose qui vous paraît ridicule à féliciter, entre guillemets, hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit un petit peu aussi. Donc, surtout, prenez le temps, oui, de vous féliciter et de vous faire bravo à vous-même. Alors, les taureaux, hop, celle-là a voulu venir. Waouh, cette semaine, harmonie et équilibre, le yin et le yang. Donc, ça veut dire qu'on retrouve de l'équilibre ici, dans ces énergies pour cette semaine-là. On vous dit que le côté masculin et le côté féminin se rééquilibrent aussi. Alors, ça veut dire équilibre, pourquoi pas, dans des couples, bien entendu, hein, entre deux personnes qui sont peut-être aussi différentes, mais complémentaires. En tout cas, ici, c'est vraiment la parfaite harmonie qui arrive et on retrouve son équilibre. Équilibre familial, équilibre professionnel aussi, pourquoi pas. Équilibre entre les ressentis et les émotions et son côté d'action. En tout cas, ici, c'est très positif. Et puis, sur cette carte, le personnage est vraiment très apaisé. On sent vraiment une certaine zénitude ici. Hein. Taureau, 31 janvier, 6 février. Eh bien, celle-là a voulu venir. Le temple, eh bien, tiens, encore zen. La dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là, pour votre semaine, les amis? Dimension intérieure, recueillement et méditation. Ah, il va falloir prendre le temps aussi de se recueillir et de se poser cette semaine, les taureaux. Vous êtes dans une phase de votre vie qui vous pousse à un désir profond de retrouver ce qui est essentiel.
Vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde, ou plutôt vous n'y trouvez plus votre place comme par le passé. Vous exprimez une volonté d'utilité, une connexion avec une part divine de vous-même, ou encore un besoin de mettre le doigt sur un mystère qui vous échappe encore totalement. Cette recherche peut vous amener à acquérir un lieu plus isolé, silencieux, un point de départ pour cette quête dont vous ignorez tout encore. Vous êtes enfin prête ou prêt à vous autoriser à être en paix et à accepter le cheminement qui se présente à vous. Il se peut que cette transformation vous effraie au départ. Pourtant, vous savez au plus profond de vous que ce passage est une nécessité. Votre esprit a besoin de digérer un passif déjà trop encombré. C'est pourquoi cette étape est cruciale afin de trouver une forme de clarté, une raison à votre existence. Les chocs successifs tels que deuil, séparation, blessures émotionnelles peuvent être à l'origine de cet éveil à vous-même. Pour ce faire, une force intérieure, une foi nouvelle se sont emparées de vous. C'est ici que commence votre initiation. Vous savez pleinement que quelque chose est en train de se modifier en vous. Plus rien ne pourra être comme avant. Vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à de nouvelles dimensions et à trouver des réponses qui ne suivent aucune règle inculquée jusqu'à présent, celle d'une voix divine connectée à l'intérieur de vous. N'ayez aucune crainte. Pendant cette transformation, vous serez dans ce temple, au centre de vous-même, à la recherche de votre propre vérité. En chacun, il existe une voix. Elle est personnelle et parfois, elle peut se manifester de manière injuste et grotesque. Pas d'autre visage. Elle s'ouvre à des miracles, inespérés, à une compréhension qui construit notre propre sagesse. Soyez prête ou prêt à recevoir de l'information au sens large et un éveil qui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez connaître. Projection dans le domaine du travail, en lien avec la méditation ou la concentration. Profitez des vacances pour aller où votre cœur vous appelle. Les métiers associés sont ceux de l'artisan, guide de voyage, chercheur de trésors ou prêtre, etc. Vous pourriez aussi avoir affaire à ces personnes-là pendant cette semaine. Argent, en fonction de votre quête, vous serez pourvu d'une stricte nécessaire dépouillement matériel. Mais vous ne manquerez rien de rien, c'est ça que ça veut dire aussi. Amour, besoin d'espace vis-à-vis de votre partenaire, à moins qu'il vive le même désir que vous. Tranquillité pour les célibataires. Amitié, perte amicale, éloignement, vos pensées sont ailleurs. Votre cheminement peut éveiller une forme d'incompréhension de la part d'autrui. Sur le plan amical, en effet, hein, si on est vraiment dans un changement aussi vibratoire, etc., dans un éveil spirituel, c'est étonnant parce que j'ai eu le même message pour un signe du zodiaque pour le mois de février en sentimental ce matin. On me disait aussi que finalement, dans la vie, quand on change de vibration, eh bien, soit il y a des personnes qui restent dans votre vie parce qu'elles vont suivre votre sillon et continuer à suivre votre vibration, soit il y en a au contraire qui quittent le chemin parce que finalement vous ne correspondez plus à la vision qu'ils ont des choses et vous, ils ne correspondent plus non plus à la vôtre. Donc, il y a des personnes qui peuvent quitter le chemin de vie et il y a des personnes, par contre, qui peuvent entrer aussi, des nouvelles personnes à entrer dans votre chemin de vie parce que votre taux vibratoire attire de nouvelles personnes au même taux vibratoire que vous. Sur le plan de la justice, la réflexion et vos remises en question seront votre salut. Et en santé, l'introspection, le yoga vous feront le plus grand bien. Les zones organes à faire attention et à protéger cette semaine sont l'esprit et le cœur. Bon, c'est pas négatif, mais voilà, vous avez un moment, une semaine de transformation au niveau de vos énergies assez importante là qui se prépare. Et on va vous demander de prendre le temps justement de cette introspection et de cet ancrage à vous-même. D'ailleurs, grâce à vous, je vous remercie les taureaux, grâce à cette carte, je sais pas, votre message m'a inspiré. Je viens d'avoir une idée grâce à vous. Merci beaucoup. Une petite idée de méditation. Alors, taureau. Ça, là, voulait venir. C'est rigolo parce que là, j'ai la carte de la maison, enfin du manoir, hein, qui ressort dans votre tirage.
Et cette carte peut symboliser justement l'intérieur de soi, son être intérieur, d'où l'introspection. Bon, s'il y a la tour, je ne serais pas étonnée. Waouh ! Sakura. Le Sakura, c'est le bien-être qui ressort, un bien-être intérieur qui ressort ici pour vous cette semaine. Donc, on va être à la recherche de ce bien-être intérieur, de cette harmonie intérieure. Et on vous dit que vous allez en tout cas la trouver cette semaine, bien entendu. Le Sakura symbolise la guérison aussi. Ça symbolise l'ancrage. En tout cas, c'est une carte très douce, très positive, avec une très très belle énergie ici. Hein. C'est vraiment l'ancrage. Le Sakura, ça peut représenter ses racines, ça peut représenter l'arbre généalogique avec la maison. On va être aussi sur un besoin, les taureaux, cette semaine, de se retrouver éventuellement au sein de son foyer. Alors, si vous avez des enfants, c'est profiter de ses enfants. Si vous avez en tout cas de la famille aussi, on va vouloir éventuellement cette semaine profiter de sa famille aussi. Mais on va être dans une énergie ici de prendre soin de soi à l'extérieur de soi comme à l'intérieur. Donc, ça veut dire prendre soin de soi pour faire des soins, prendre du temps de repos, prendre du temps pour lire, je ne sais pas, à vous de voir, hein, mais en tout cas, lever le pied et prendre du temps pour soi aussi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire, bah oui, de la méditation, du yoga, faire de la respiration, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut vous apaiser. Ça peut être aussi se promener dans la nature, bien entendu. Ah, j'ai le carte du grimoire, donc on va me parler de révélation. Alors, ça peut être une révélation intérieure hein, qui vous vient aussi en guidance. C'est marrant parce que révélation, bien-être intérieur, une forme de sagesse ancestrale aussi qui ressort de cette carte-là, là, dans ce tirage-là. On me parle de sérénité, de bonheur, en tout cas de positive attitude ici aussi avec le lys. Donc, c'est comme si, ici, les taureaux, cette semaine, il pouvait y avoir une sorte d'illumination, de révélation qui vous est faite, que vous preniez conscience, finalement, c'est ça. Que vous preniez conscience de quelque chose à changer, à améliorer, pour pouvoir bah, retrouver une certaine sérénité intérieure. Hein. Alors, j'ai des bonnes nouvelles hein, qui arrivent ici. Alors, ça peut me parler de bonnes nouvelles en lien avec une formation. Une formation, pourquoi pas, dans le bien-être aussi. Une formation aussi en lien avec la nature, avec tout ce qui est peut-être animaux, plantes. En tout cas, il y a une formation qui peut être amenée ici à vous amener en tout cas une certaine réussite, une certaine sérénité ici. Soit pour vous, soit pour votre partenaire. On a l'énergie masculine. Donc, on me dit aussi que c'est à vous d'aller chercher par des actions cet état de bien-être, cet état un petit peu de relaxation que vous pourriez ressentir cette semaine. Et ça va peut-être, éventuellement, pourquoi pas, passer par la lecture, prendre le temps de lire aussi, ça peut apaiser aussi un peu le mental. On peut me parler aussi éventuellement d'examens médicaux hein, qui peuvent arriver et qui vont venir vous apaiser parce que il semblerait que des choses, en tout cas, tournent de façon positive en votre faveur. Alors, attention, je sais que par les temps qui courent, il vaut mieux pas être positif, mais en fait, c'est... Voilà, c'est qu'au contraire, la santé s'améliore. Alors, en effet, hein, j'ai une formation professionnelle pour certains et on peut recevoir des nouvelles, des appels téléphoniques, des messages pour cette formation professionnelle. Et on vous dit en tout cas que ça va amener beaucoup de sérénité au niveau du mental. On va me parler aussi... Alors, ça peut être pour certains taureaux, je ne sais pas. On me parle d'un parc, on me parle d'un manoir... Je sais pas, ça va pas parler à tous les taureaux, mais on me dit que pour quelqu'un de chez les taureaux, vous pourriez avoir une proposition de contrat ici. Ça pourrait être une personne, soit un homme, soit une femme dans les énergies d'action, qui pourrait vous proposer un contrat ici pour éventuellement gérer une maison avec un jardin. Alors ça peut être en tant que jardinier, pour pouvoir s'occuper du jardin, pour pouvoir gérer éventuellement une maison en tout cas. Mais je vois une grande maison avec un grand jardin et beaucoup d'arbres. Donc ça peut être ici pour quelqu'un du signe du taureau, on vous propose éventuellement voilà de gérer un domaine
Voilà, j'entends le mot domaine, un domaine quelconque, et ça pourrait être un contrat très intéressant pour vous qui pourrait finalement vous amener la sérénité que vous avez besoin parce qu'il pourrait y avoir une certaine autonomie dans ce travail et qui vous pourrait vous permettre aussi d'être au contact de la nature et de vous épanouir pleinement. Pour d'autres, on va me parler d'un contrat ici qui pourrait être signé ou d'un partenariat parce que finalement on est reconnu pour ses capacités. Encore pour d'autres, on me dit ici aussi que le bien-être pourrait justement passer par le fait d'aller se promener en pleine nature, dans le parc. Et ça va vous permettre en tout cas d'éclairer votre mental et d'éclairer les choses. J'ai des demandes en mariage aussi qui pourraient apparaître, des demandes de Pax aussi, pourquoi pas. On peut vous dire aussi que si c'est vous qui n'osez pas demander en mariage quelqu'un, allez-y, hein, vous pouvez y aller. On peut me parler de mariage justement dans un jardin, ça peut être un, comment on appelle ça, un mariage laïque aussi, pourquoi pas, hein, avec une signature de registre. En tout cas, c'est positif, hein. Ici, on retrouve un certain ancrage, on retrouve un bien-être cette semaine, on retrouve une sérénité, des signatures sont à prévoir et des bonnes nouvelles à arriver pour vous. Et du coup, je comprends pourquoi votre carte ici était l'harmonie et l'équilibre, parce que finalement, les choses s'apaisent pour vous cette semaine, les taureaux. Voilà, en attendant, bonne semaine à vous, portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup. Alors, les scorpions... Semaine du 31 janvier au 6 février. Scorpion. Un, deux, trois. Partez, vous dit-on. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Maintenant, genre, maintenant, je lâche tout. Je ne change pas. Et je file comme ça vers mon destin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc ça veut dire ici que vous ne devez pas remettre à demain une décision que vous avez à prendre cette semaine et qu'il vous faudra éventuellement la prendre dans la semaine parce que vous risquez de regretter éventuellement de ne pas l'avoir prise plus tôt. Ça peut être tout simplement une décision pour accepter un poste et si vous tardez trop à prendre cette décision, il pourrait vous passer sous le nez et vous pourriez regretter bien sûr ce poste. C'est un exemple bien entendu, à vous de voir maintenant ce que vous avez à décider cette semaine les scorpions pour ne pas regretter de ne pas avoir décidé plus tôt. Alors, on va aller voir la suite. Donc, du 31 janvier au 6 février. Souvenir. Des émotions passées refont surface pour les scorpions. Alors, eh bien, ça veut dire ici que pour vous, les scorpions, on va peut-être être dans les bons souvenirs qui reviennent, peut-être parce que, eh bien, peut-être 1, 2, 3 partez. En plus, elle est en mode ménage sur la carte. Je sais pas, ça peut être des scorpions ici qui font un peu de tri chez eux et qui vont tomber sur des souvenirs qui vont leur rappeler de bons moments. Qui, en tout cas, vont vous remettre un petit peu la nostalgie du passé. Hein. Ça peut être trié dans le grenier des choses ou dans une pièce que vous avez à faire du tri. En tout cas, on va pouvoir éventuellement remettre la main sur des souvenirs. Ça peut être, avec maintenant la connexion qu'on a aujourd'hui, des images, des choses qui vous ramènent peut-être, il s'est passé ça il y a 5 ans, je ne sais pas, ou voire plus, et qui vous ramène une notification pour vous montrer des photos du temps passé. Mais pour certains scorpions aussi, ça peut être des émotions du passé qui refont surface parce qu'il y a peut-être une situation qui va vous raviver peut-être quelque chose. Mais en même temps, dites-vous que si l'émotion, si elle est négative et qu'elle refait surface là, c'est parce qu'il est temps, est venu le temps de vous en libérer. Donc si l'émotion refait surface à ce moment-là, c'est parce que là, on vous envoie un signal comme quoi il est temps de libérer cette émotion.
Alors, Scorpion, du 31 janvier au 6 février. Waouh, musique! Alors, la musique est une signature énergétique qui insuffle son harmonie au monde. En même temps, j'ai une clé de sol aussi, hein, donc on peut trouver des solutions aussi, mais des solutions... Alors, c'est un message qu'on m'envoie, on me dit que pour les scorpions, écoutez de la musique. Si vous vous posez des questions ou si vous avez envie d'un signe, si vous demandez à l'univers, à vos guides, à vos anges de vous envoyer un signe en réponse à une question que vous vous posez, certains pourraient avoir la réponse en écoutant de la musique dans les paroles d'une chanson. Donc cette semaine, ça pourrait arriver comme ça. On me parle d'écouter de la musique aussi, ça sera très bon pour vos énergies. Alors ça peut être des musiques aussi que l'on écoute et qui vous ramènent des souvenirs, pourquoi pas. Mais je ne sens pas en fait d'énergie négative du tout chez vous. Au contraire, on va vers une évolution, une libération qui sera positive. Hein. 32. Alors, harmonie universelle et équilibre. Donc déjà, on retrouve l'équilibre et l'harmonie. Cette semaine, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Un air de joie souffle actuellement sur votre vie. Tout est léger, facile et fluide. Alors, on pourrait s'arrêter là, ça serait parfait. Hein. Il semblerait que les chants divins font glisser leurs notes à l'unisson avec votre être. Chaque élément qui nous entoure possède une signature énergétique propre. Eh oui, les objets, tout vibre, tout, tout, tout. Être en accord avec son environnement marque une propension à souhaiter répondre à cet alignement de paix intérieure. Il est clair que vous avez tous les éléments en vous pour atteindre cet objectif d'équilibre à la fois spirituel et psychique. C'est une perfection rare qui demande de s'extraire d'un monde social extrêmement dense. Il n'y a plus de séparation. Cette carte est donc annonciatrice d'un bien-être où vous êtes parfaitement en phase avec ce que vous ressentez. Ce fait, comme un miracle, aligne ses fréquences jusqu'à la matérialisation de vos désirs. L'harmonie universelle permet ce prodige dont vous êtes pleinement capable, car vous savez déjà que tout ira bien. Le temps se courbe pour être dans cette perfection et amène chaque particule dans tous les possibles. Vous êtes serein ou sereine et arrivez à atteindre cet état de grâce. Le son est une information qui laisse une trace mémorielle dans tout notre être et est capable de transmettre cette information à toute cellule. L'eau. Parce qu'on est composé vraiment de beaucoup d'eau et du coup, c'est comme ça aussi que peut se transmettre les informations dans votre corps. Il a donc un pouvoir non seulement de guérison, mais aussi de programmation. Laissez pleinement votre cerveau droit vous emplir de cette harmonie. Sachez la diffuser autour de vous pour qu'elle se propage à l'infini. Alors, le cerveau droit, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le cerveau qui est lié aux émotions, aux ressentis, à la créativité. C'est pas le cerveau logique, c'est pas la partie logique. Dans la projection, tout est juste. Chaque parole peut être un réconfort pour autrui. Équilibre. Dans le domaine du travail, tout vous réussit, vous êtes pleinement dans votre voie, celle que vous avez décidé de suivre. Métier associé, tout ce qui est en lien avec la musique, le chant, la voix, orateur, métier de la communication, aptitude à agir sur la matière et l'eau. Argent, facilité à acquérir des biens matériels sans excès, harmonie et tranquillité. En amour, parfaitement en phase. Amitié, vous êtes sur la même longueur d'onde. Justice, la vérité triomphe. Et en santé, c'est l'équilibre. Organes, les zones organes à surveiller et à protéger sont les oreilles, la gorge, les cordes vocales, le système respiratoire et le nez. Voilà pour vous les scorpions. On va poursuivre le Witchy le Normand. Scorpion, 31 janvier, aussi février. Oups là! On va prendre ça qui ne s'est pas retourné. Eh ben, je crois qu'ils ont envie de vous parler, hein, très très fort. Eh ben, ça saute dans tous les sens. Bon, bah, allez, on les garde toutes. Hop. Ah ben, il y a pile le bon nombre. Alors, on va juste couper pour avoir le dos de deck. Communication, appel téléphonique, message.
Eh bien oui, j'ai des messages, j'ai des courriers, j'ai des lettres, j'ai des écrits qui arrivent à vous ici pour vous les scorpions cette semaine. Alors, j'ai des lettres, j'ai des signatures pour des nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à la nouveauté, qui est symbolisée par l'enfant, qui peut être lié par l'enfance aussi. Hein. Ça peut être un courrier, un appel éventuellement de l'école concernant votre enfant ou vos enfants. Ça peut être des courriers à rédiger en lien avec vos enfants. Ça peut être des signatures aussi, avec un message par exemple pour une adoption qui pourrait arriver cette semaine aussi pour vous les scorpions. En tout cas, il y a une signature, une lettre, un courrier qui arrive ici. Et ce sont des informations, hein, des documents aussi, en lien avec quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous amène un renouveau aussi. On peut me parler aussi finalement d'enfants aussi. Hein, donc comme je vous disais, ça peut être des nouvelles en lien avec un enfant. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles concernant un enfant. On vous dit que quelque chose va vous être révélé. Alors, ça peut être aussi des messages de très bonnes nouvelles en lien avec l'école aussi d'un enfant ou les études d'un enfant. Alors, ça peut être un petit enfant comme il peut être ado aussi. Hein. On me parle de sérénité, de succès en tout cas ici aussi. Vous pourriez avoir aussi un appel, un message d'un de vos enfants vous disant qu'il a réussi sa formation ou qu'il a réussi ses examens. C'est possible en tout cas parce que ici j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec un enfant et ça va vous apaiser. Surtout si ça concerne votre enfant et que vous étiez peut-être inquiet, on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, j'ai des bonnes opportunités, de nouvelles opportunités qui sont en lien avec un enfant ou un nouveau projet, avec quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a de nouvelles opportunités ici qui vont permettre une transformation. Le serpent, c'est aussi une nouvelle opportunité. Alors, on peut révéler, bien sûr, hein, une personne ici un petit peu nocif qui vont vous être révélés aussi. Mais moi, je ne sens pas du tout d'atteinte de cette personne. Hein, et j'ai vraiment du mal à sentir une mauvaise personne derrière parce que pour moi, c'est plus quelque chose qui symbolise la transformation ici. Alors oui, en effet, hein, il peut y avoir des tensions qui s'apaisent aussi par rapport à une personne avec qui on n'est pas forcément copain-copine. Et on va être apaisé ici et on me parle surtout de protection avec l'étoile. Donc ça veut dire que vous êtes protégé d'une personne négative ou jalouse autour de vous aussi. On peut me parler aussi de choses qui s'apaisent en lien avec un enfant à l'école qui aurait peut-être des difficultés avec un autre enfant ou en tout cas, il peut y avoir un petit conflit entre deux enfants, deux ados. Et on va vous dire ici que ça va vous être révélé par quelque chose d'écrit. Donc, ça peut être aussi un message que vous recevez de l'école vous informant qu'il y a peut-être des petits soucis à l'école. Mais ça ne va pas durer. Ces conflits vont finir par trouver un apaisement et quelque chose de positif. Ça peut me parler d'un enfant aussi qui a éventuellement souvent mal au ventre pour aller à l'école, à cause peut-être de quelqu'un qui lui fait la misère à l'école. Il y a peut-être des soucis avec... je sais, si vous n'avez pas d'enfants, je sais que ça va pas vous concerner malheureusement, mais si vous avez des enfants, ça peut vous concerner. Soyez attentifs éventuellement à ce que vos enfants vous racontent quand ils rentrent de l'école, parce que peut-être qu'il a besoin de protection au niveau de l'école et que ça sera entre guillemets une opportunité pour vous d'aider votre enfant à améliorer ses émotions pour sortir d'un conflit éventuellement avec un autre enfant ou en tout cas il y a quelque chose qui devrait s'apaiser. La carte du coucher de soleil, c'est quand même quelque chose de qui symbolise bonheur, réussite, succès, joie, éclaircissement aussi, hein, vérité. Donc on peut me parler de vérité qui éclate aussi envers des enfants et ça peut être lié à l'école.
On me dit également avec la carte de l'étoile, les scorpions, que vous êtes guidés, que vous êtes protégés dans des formations éventuellement pour votre travail. Il peut y avoir des nouvelles opportunités de formation pour un nouveau travail, pour un nouveau projet professionnel. Vous pourriez recevoir un message concernant cette formation. Donc ça peut être si vous avez postulé, vous pourriez avoir la réponse positive pour cette formation. En tout cas, c'est quelque chose qui va se terminer de façon positive, même si on stresse un petit peu, d'accord? Même si ça peut aussi engendrer quelques jalousies autour de vous. Si vous êtes aussi dans des examens à passer, des formations, enfin des examens, j'entends pas médicaux parce que j'ai pas la carte du médical, mais si vous avez des examens à passer, des entretiens d'embauche, il se peut qu'on soit un petit peu angoissé, qu'on ait mal au ventre un petit peu parce qu'on a un petit peu peur de tout ça. On vous dit par contre que ne stressez pas, n'angoissez pas ici. Il y a en tout cas des changements positifs qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Hein. Puis tout était positif jusqu'à présent. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà en tout cas les scorpions. J'espère que en tout cas, vous passerez une très belle semaine. Il y a de très bonnes nouvelles à arriver. Donc ne vous en faites pas. Très belle semaine à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, les Verseaux. Semaine du 31 janvier au 6 février. Quelles sont vos énergies, les Verseaux? Youpla! Ah, bah vous aussi, vous avez les bonnes nouvelles. Alors, bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour. Quand il y est, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Voilà votre premier message pour cette nouvelle semaine qui arrive à vous. Donc, des bonnes nouvelles déjà, hein, parce que c'est quand même le titre de la carte. Donc, il y a des bonnes nouvelles à arriver ici pour vous les Verseaux. Et ici, il y a des nouvelles, pas forcément mauvaises, mais qui arrivent et que vous ne vous attendiez pas à ces nouvelles-là. Prenez-les comme elles viennent, elles ont les raisons d'être. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, essayez de rester positif ou positif par rapport à ces nouvelles. Et accueillez-les, entre guillemets, sans vous stresser pour ne pas vous miner le moral. Mais moi, je ne ressens pas de mauvaises nouvelles forcément à proprement parler. Hein. Alors... Ça peut être par exemple un poste que vous avez postulé. Bien sûr que la réponse peut être positive. Mais si la réponse était négative, dites-vous que cette nouvelle-là, si elle est négative, c'est qu'elle a des raisons d'être négative. Peut-être que ça ne vous correspondait pas. Peut-être que vous ne vous seriez pas plu. Et surtout, peut-être qu'il y a une réponse qui arrivera peut-être la semaine suivante qui sera positive et qui vous plaira davantage. Ça peut être tout simplement ça, hein. Pour vous éviter de choisir aussi. Bon, alors, bah c'est celle-là. Waouh! Défoulement du subconscient et guérison, vent nocturne. Ah, bon alors là, moi ça me fait penser à des cauchemars. Je ne sais pas pourquoi, mais alors rassurez-vous, comme j'expliquais à ma fille, les cauchemars sont nécessaires en fait. Pourquoi? Parce que les cauchemars, c'est la façon qu'a votre cerveau, votre subconscient, de digérer les choses, voire les nouvelles que l'on a reçues, de façon à ce qu'elles aient un minimum d'impact sur votre corps. Si vous ne faisiez pas de cauchemars, si votre mental ne digérait pas les choses que vous vivez au quotidien, dites-vous que c'est votre corps qui sera impacté et bien pire que cela en fait. Et du coup... c'est pour ça qu'il peut y avoir un vent nocturne cette semaine. Vous pourriez avoir une tendance à faire des cauchemars, pourquoi pas. Mais vous faites des cauchemars, pourquoi? Parce que vous digérez les choses. Mais j'ai la carte de la guérison ici. Ça veut dire ici que votre subconscient aussi, alors sans forcément faire de cauchemars aussi, hein, ça peut être des émotions qui remontent, etc. Parce que le subconscient ici va travailler à plein régime cette semaine pour se libérer de tout ce qui n'allait pas et de tout ce qui n'a plus besoin. Du coup, cette semaine, un vent de guérison, finalement, va souffler chez les Verseaux aussi pour pouvoir sortir aussi quelque part de cette vie nocturne, de cette sombre,
D'où le fait qu'il y ait des bonnes nouvelles à arriver aussi, pourquoi pas, pour vous sortir un petit peu d'un. Pour vous sortir de l'ombre, pour vous sortir du tunnel, tout simplement. Alors, Verseau, 31 janvier, aussi février. Alors, 31 janvier, aussi février, on est Verseau. Le poil, ça peut faire rire, mais il a une signification. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Eh ben oui, déjà, ça fait parfaitement écho au vent nocturne, c'est-à-dire que un esprit sain, c'est un subconscient qui se décharge aussi de tout ce qu'il n'a plus besoin de négatif, d'où le vent nocturne qui balaye finalement. C'est un petit peu ça, c'est le vent qui balaye la nuit aussi, hein, dans votre tête et dans votre subconscient pour accéder à un corps sain, pour accéder à la guérison. Extrêmement en écho, ces deux-là. Hein. J'adore. Alors, 41. Virilité, force et vitalité. Donc voilà, on retrouve cette vitalité. Vous êtes en pleine forme et avez toutes les capacités physiques pour atteindre votre but. Cette carte est un gage de bonne santé, mais elle est aussi représentative d'une excellente vigueur. L'ancrage du poil dans la profondeur de notre peau signe un équilibre parfait dans notre vie. Vous vous êtes stabilisé et n'avez plus besoin de courir dans tous les sens pour répondre à vos besoins. Il semblerait que vous ayez trouvé votre place. Il est temps pour vous de bâtir votre vie sur tous les plans. Le poil, même si son nom prête à rire, a une approche cartésienne et nous ramène à l'essentiel de la vie, la procréation. Maintenant que vos racines sont solidement accrochées et que vous avez pris une direction vers laquelle vous tenez un cap à vitesse de croisière, votre corps est prêt à créer une lignée, votre esprit, une continuité. Alors, je vous rassure, si vous n'êtes pas du tout dans l'optique d'avoir des enfants, ça veut dire tout simplement que votre corps a l'énergie favorable pour créer aussi un projet en gestation, tout simplement. D'accord? Cette carte annonce le succès et la pleine confiance. Période très bénéfique, profitez-en. Notion de temps, période et cycle de 3, 6 et 9 mois. Hein? On pourrait justement hein, apprendre des grossesses aussi pour vous, les Verseaux, cette semaine. Alors justement, peut-être bonne ou mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, si vous avez vraiment cette envie d'avoir un enfant, ça peut être une bonne nouvelle que vous pouvez recevoir par courrier, par mail ou par coup de téléphone. Et bonne nouvelle, si ce n'était pas un bébé peut-être prévu, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, entre guillemets, à première vue. Mais finalement, elle peut avoir quand même quelque chose de positif, cette nouvelle-là. Alors, immobilisation positive ici, ça signifie travail. Vous avez une bonne assise et d'excellentes bases pour faire fructifier votre affaire. Allez-y tranquillement et posément, stabilité. Au niveau de l'argent, vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Vous trouvez votre équilibre, pouvoir financier. Sur le plan amoureux, pour un homme, recherche de sexualité, virilité et vigueur. Pour une femme, envie de grossesse. En amitié, amitié solide, vos relations sont sur la même longueur d'onde que vous. En justice, vous êtes dans votre bon droit, ne changez pas de stratégie. Santé, vous êtes en pleine forme, vous avez bu à la fontaine de Jouvence. Les zones organes à faire attention pour cette semaine-là, ce sont les pieds, les jambes, la colonne vertébrale et les zones sexuelles. Voilà les amis, Verseau pour vous déjà. Et on poursuit. Pour vous, les Verseaux, 31 janvier, 6 février. Waouh, dos de deck, j'ai le soleil magnifique ici. Donc, c'est le bien-être, c'est la réussite. Ben, pas d'ombre à l'horizon pour l'instant, hein, de belles nouvelles. Hein, au contraire, finalement, pour moi, c'est pour ça que j'avais du mal à sentir que ce soit des mauvaises nouvelles qui arrivent à vous. Pour moi, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous.
Il faut les prendre comme des bonnes nouvelles. Bon, en effet, hein, j'ai la lettre, j'ai des courriers, j'ai des nouvelles qui arrivent et des bonnes nouvelles. Donc, c'est deux fois ici qu'on me le dit. Hein. Alors, ça peut vous concerner, vous, comme ça peut concerner votre partenaire aussi. Mais ici, comme on est dans une générale, même si c'est pour la semaine, il s'agit aussi d'énergie d'action. En effet, j'ai des courriers ici que vous allez recevoir et qui devraient amener de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. J'ai aussi, pour certains Verseaux, cette semaine, un besoin de passer à l'action pour écrire quelque chose, pour faire des démarches écrites en lien avec le professionnel. Donc, si vous avez envie, éventuellement, je ne sais pas, de faire une reconversion, de faire des stages, de demander une augmentation ou en tout cas n'importe quoi qui est lié à votre domaine professionnel et qui demande de faire un écrit, ça vous sera favorable cette semaine parce que on vous dit de passer à l'action. On vous dit surtout si ça vous tient à cœur. Réussite et bonheur, hein, ici sur le plan professionnel pour vous les Verseaux, en lien avec des signatures, en lien avec des courriers qui vous amènent de bonnes nouvelles. On me dit qu'à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, vous obtiendrez de toute façon une certaine réussite. On me dit que si vous avez un sens, une sensation de stagnation, finalement c'est un petit peu ce qui était dit dans la carte du poil, cette sensation de stagnation, on a besoin en tout cas ici peut-être d'un temps de stagnation pour pouvoir prendre une décision avec son cœur et pour pouvoir prendre le temps éventuellement de rédiger certains courriers. Si vous aviez en tout cas des blocages ici, on me dit que ces blocages vont finir par prendre fin parce que des nouvelles arrivent pour vous débloquer justement. Eh oui, en effet, j'ai le navire. Donc, après une période de blocage ici, cette semaine, les choses commencent à rebouger. On va me parler de formation professionnelle, en effet, hein, ici avec le grimoire plus le renard. On va me parler de formation professionnelle. On me dit que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous doutez peut-être de vous lancer dans cette formation. Vous doutez tellement que vous prenez peut-être du retard, d'où les blocages, pour prendre une décision d'écrire quelque chose sur le domaine professionnel. Mais on vous dit, vous n'avez pas à douter que derrière les nuages se cache le bonheur et la réussite et que les choses vont bien évoluer. En tout cas, tant que vous suivrez votre cœur, les choses évolueront. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, si les choses étaient bloquées sur le domaine sentimental ici, il est fort possible qu'on puisse avoir quelque chose qui avance à partir du moment où on va arrêter de douter aussi d'être capable d'aimer à nouveau ou de douter que quelqu'un est fait pour vous parce qu'on a tous le droit d'être aimé dans la vie et que oui, cette semaine, on peut en finalement avoir cette révélation que finalement, bah oui, notre cœur est capable d'aimer à nouveau et que c'est pas parce que on a eu un échec dans le passé ou que les choses étaient bloquées que ça ne peut pas avancer. On me dit qu'il y a peut-être aussi des blocages hein, sur le plan amoureux et que peut-être que si vous avez du mal à les dire à l'oral, n'hésitez pas à les écrire, ça pourrait peut-être faire avancer les choses et vous aider à débloquer une situation. C'est marrant parce que j'ai le grimoire, j'ai la lettre et j'ai la trappe rêve et ça me renvoie encore à ce vent nocturne de tout à l'heure. Pour certains Verseaux, on me dit que vous pourriez avoir des réponses aussi dans vos rêves. C'est peut-être pour ça que on a le défoulement du subconscient. Donc, c'est pas forcément que des cauchemars. Ça peut être aussi beaucoup de rêves qui vont arriver la nuit. Ça va être assez agité la nuit pour certains d'entre vous cette semaine dans le sommeil. Pourquoi ? Parce que il y a des réponses qui pourraient vous apparaître de votre subconscient. Les réponses pourraient apparaître dans les rêves. Et on vous dit que le meilleur moyen d'attraper vos rêves, c'est éventuellement de les écrire dès que vous vous réveillez. Dès que finalement la nuit s'estompe, écrivez vos rêves dès que vous vous levez parce que vous pourriez avoir peut-être des indices ou des réponses dans vos rêves. Voilà, en tout cas, les Verseaux, je ne vois rien d'autre à ajouter, hein, si ce n'est que vous avez quand même une belle énergie pour cette semaine, que vous pourriez en tout cas bah, recevoir de belles surprises, de jolis cadeaux, vous pourriez célébrer aussi quelque chose au niveau du travail, hein, en tout cas. Il y a de belles nouvelles, de bonnes nouvelles et de belles énergies à arriver à vous pour la semaine. Et surtout, ne doutez pas, les amis, c'est important, restez confiants, surtout au niveau de votre cœur.
Voilà, passez une très bonne semaine les Verseaux. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Alors, les Vierges. Semaine du 31 janvier au 6 février. Quelles sont vos énergies? Bon, je suis désolée, c'est la notice. Hop. Alors, les Vierges, quelles sont vos énergies? Six boulots en vrac. On cogite beaucoup, hein, les Vierges ici. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Six boulots en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Eh bien oui, en effet, les Vierges ici, on cogite beaucoup, 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 beaucoup trop, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a même plus de tri dans tout ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on peut penser très bien à la liste de courses, comme on peut penser au rendez-vous médical du petit dernier, etc. Et du coup, à force de trop cogiter, on en a plein la tête et puis on y voit un petit peu plus clair. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir un peu dissiper le brouillard de vos pensées en les observant déjà, voir quelles sont les pensées qui ont vraiment lieu d'être. Si par exemple, c'est pour ne pas oublier tel rendez-vous, etc., eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de tenir un agenda, un tableau, pourquoi pas. Hein. Alors, petite anecdote perso, je sais que chez moi, j'ai un tableau où on écrit avec les Velleda, les crayons qui s'effacent là. Et ça permet aussi de mettre le planning de la semaine, tel rendez-vous pour le petit dernier, tel rendez-vous pour pour l'aîné, enfin voilà, etc. Ça permet aussi éventuellement de faire la liste des courses. En fait, j'ai deux tableaux chez moi. Donc ça peut peut-être aider, je sais pas, certains ou certaines ici, voilà, sans vouloir parler de moi bien entendu, mais ça peut être une solution et je sais que je trouve ça très pratique. C'est que j'ai un tableau pour ma liste de courses, donc en fait, quand il manque quelque chose à la maison, on met la liste de courses, ça évite de penser à sa liste de courses tout le temps, même quand on prend sa douche. Et puis, j'ai un deuxième tableau côte à côte avec le planning de la famille, donc ça, c'est les rendez-vous de la semaine qu'il faut pas oublier, etc., qui sont mis, en tout cas, à jour, au moment voulu. Ce qui fait que ça permet aussi de se vider la tête, de mettre par écrit et de ne pas garder en tête, du coup, ce qu'on a. Hein. Et surtout, je vous invite, si vous voulez prendre l'idée des tableaux, mettez-les surtout dans un endroit où vous allez régulièrement. Moi, je sais qu'ils sont dans la cuisine parce que c'est un endroit qu'on y va tous les jours, forcément, et on passe devant tout le temps. Voilà, mais ça peut être tenir un agenda, ça peut être mettre un agenda électronique sur votre téléphone. Pour pouvoir vous mettre des petits pense-bêtes, des petits rappels la veille, etc. Mais ça peut être utile d'avoir vraiment un planning sous les yeux que l'on peut voir tous les jours pour ne rien oublier aussi. Et ça permet de se vider la tête. Si vous avez aussi des tâches à faire, genre mettre à jour la paperasse, je dois répondre à un tel, etc. Eh bien, n'hésitez pas non plus à le mettre par écrit. Sortez tout ce que vous avez dans la tête par écrit. Ça peut vous aider aussi éventuellement de faire des petites listes, etc. Mais surtout, gardez en tête surtout l'essentiel, les choses les plus importantes. Alors, Vierge, 31 janvier au 6 février. Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Alors, eh bien, on vous dit que s'il y avait des obstacles cette semaine, ils vont être écartés grâce à une protection, hein, ça peut être vos anges, vos guides qui vont vous protéger, ça peut être aussi des personnes autour de vous grâce à leurs conseils qui vont peut-être écarter certains obstacles, certaines choses qui pouvaient vous faire obstacle. En tout cas, c'est une carte pleine de douceur, pleine. J'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très apaisante, je trouve. Hein, je vous la montre si vous voulez. Je suis désolée, il faut vraiment que je trouve une solution pour cette lumière. J'ai besoin de la lumière pour que les cartes soient vues. Mais il y a un reflet dans certaines cartes et je trouve ça un petit peu embêtant moi aussi. Je suis vraiment désolée. Du coup, voilà. Des obstacles seront écartés, des projets sont protégés. En tout cas, vous êtes protégés aussi et vous n'avez pas à vous en faire justement.
Peut-être que le seul obstacle est votre mental qui cogite à toute allure et qu'il vous faudra peut-être écouter les conseils de vos guides sur le fait d'apaiser votre mental. En tout cas, vous pourriez bénéficier de conseils de personnes, de votre entourage. En tout cas, suivez les conseils qu'on peut vous donner. Bien sûr, il faut faire le tri dans les conseils, mais vous pouvez suivre les conseils. Dragon de feu. Alors, ici, on a entre l'âme du guerrier et l'âme de lumière. L'indomptable dragon de feu apporte avec lui l'affrontement ou la paix. Alors, 25. Mordant, pulsion, dynamisme et purification. Psychologie. Le déchaînement des passions qui vous animent est d'une puissance inconcevable. Tantôt dans la colère excessive, tantôt d'un calme olympien, vous êtes insaisissable et avez la sensation de tout maîtriser. Ce feu qui vous anime ne respecte aucune règle, si ce n'est les vôtres, en accord avec votre monde intérieur. La toute-puissance de votre mental brise toutes les barrières et rend vos actions incisives, précises et excellemment visibles. Alors, brise toutes les barrières, c'est peut-être aussi votre dynamisme qui écarte les obstacles, hein. Tout simplement. Votre volonté aussi, hein. Sans doute avez-vous besoin de purifier quelque chose en vous, une passion inassouvie, ou d'extraire un potentiel que vous aviez gardé dans l'ombre, caché à l'intérieur de vous. Quel que soit le feu qui vous anime, vous devrez faire le choix entre cette âme guerrière et le porteur de lumière que vous êtes. Les dragons sont des gardiens, à chaque dragon un élément est lié. La notion du feu amène à une forme de cycle de non-maîtrise de soi, car gouverné par des sentiments emportés. Cependant, il définit aussi un caractère puissant, énergique et volontaire qui pourrait être salvateur. Son apparition dans un jeu signale deux forces opposées. Il s'agit de savoir si ce dragon va vous offrir toute son énergie pour vous porter à votre but ou si votre instinct excessif amènera à des situations conflictuelles. Les cartes oracles situées autour fourniront les indications nécessaires pour répondre à la question posée. Déjà, le dos de deck, c'était quoi ? Non, c'est pas le bon. Le dos de deck, c'est la cloche. Donc, pour moi, le bonheur vient, c'est le moment de concrétiser. Donc, c'est la cloche, hein. Eh bien, pour moi, au contraire, ça va être salvateur, cette énergie. Toutefois, le feu est un symbole de purification. Il peut conduire à une forme de destruction pour purifier une situation qui ne demandait qu'à exploser. Par exemple, les griefs responsables de tensions sont posés sur la table et permettent une compréhension des circonstances et une libération. Ça passe ou ça casse. L'inflammation peut être guérie par le feu. Il est alors sorti, révélé. Il ne peut plus se nourrir de ce qui l'alimentait. Il meurt. Le soulagement est aussi puissant que le lâcher-prise qu'impose cet élément dévorant. Notion de fanatisme, combativité et de pulsion. Alors, projection, travail, valorisation porteuse pour tous les métiers qui résonnent avec la combativité, l'action, voire la défense d'une cause. Pompiers, militaires, membres des forces spéciales, politiques, prêcheurs, artistes, anticonformistes, etc. Au niveau de l'argent, vous en voulez toujours plus. Au niveau de l'amour, passion dévorante, sexualité hyperactive, vous pouvez vous consumer d'amour. Amitié, tout brûle et va vite. Qui vous aime, vous suivez. Sinon, tant pis. Justice, ça va très vite. Attention de ne pas vous brûler en fonçant tête baissée. Réfléchissez. Santé, si vous êtes en distorsion du dragon, brûlure d'estomac, tension et foie liées à la colère peuvent être ressenties. Donc, quelque part, un gros besoin, finalement, d'apaiser ce feu intérieur qui, si jamais brûle trop fort, peut vous consumer, d'où le ciboulot en vrac, entre guillemets. Mais avec protection, conseil, eh bien, ce qu'on vous conseille, c'est de garder que le positif de cette énergie de feu pour avancer et de calmer, par contre, tout ce qui est excessivement, le feu qui est en excès, en fait, hein. Alors, Vierge, 31 janvier au 6 février. Hop.
navire. Les choses avancent, les choses bougent ici pour vous les vierges. On est dans le mouvement. Pas étonnant avec cette dynamique de feu. On est à fond dans l'action ici. Hein. On agit. Hein. Mais on agit tellement qu'on est peut-être trop dans l'action, d'où le ciboulot, entre guillemets, en vrac. Alors, bon, des déménagements sont à prévoir ici pour certains vierges cette semaine. Donc, peut-être qu'on déménage cette semaine ou que l'on apprend que l'on va déménager. En tout cas, on me parle de déplacement. Hein, ça peut être aussi ça. On prend la voiture pour se déplacer cette semaine. Il y a peut-être des déplacements à prévoir pour le travail, pour la famille. On me dit aussi qu'avec la rose des vents, un vent de changement est en train de tourner et que très certainement, on est finalement amené à déménager. Donc, on peut avoir en tout cas, oui, c'est ça, des déménagements, des choses qui bougent. On va voir. Hein. Mais en tout cas, ça évolue, mais je pense dans le bon sens du terme. Alors, ici, en effet, on est dans une énergie d'action avec le masculin. Donc, ça peut aussi vous représenter vous ou votre partenaire. On vous dit aussi que les choses bougent dans la bonne direction. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit également que c'est dans l'action aussi, donc être dans l'action de déménager. Donc, peut-être que oui, cette semaine, on déménage tout simplement. En tout cas, c'est des actions que vous allez faire cette semaine, des décisions qui vont être prises cette semaine pour avancer dans la bonne direction vers l'abondance. On peut aussi avoir une transaction. Alors, je ne sais pas, ça peut être une transaction financière, un prêt immobilier, je ne sais pas. On va voir si les autres cartes autour parlent. Mais en tout cas, il y a des transactions financières à prévoir pour vous mettre sur la bonne voie ou pour vous permettre de déménager. Si par exemple, vous voulez vendre votre maison, il est fort possible que vous puissiez avoir une proposition, voire une vente de votre bien immobilier, une transaction se fait et ça fait bouger les choses. Hein. On est stressé hein, peut-être par rapport justement à un déménagement, par rapport à une transaction financière, par rapport à ses finances. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, le soleil est là cette semaine, les choses devraient s'apaiser financièrement, ça va bien se passer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans une période de chance et d'opportunité. En effet, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, les Vierges. Soyez confiants, faites-vous confiance. On peut me parler aussi hein, de sortir peut-être d'une période de stress aussi grâce à l'aide et l'appui de quelqu'un autour de vous qui va vous aider à vous mettre dans la bonne direction. On vous dit que vous êtes peut-être stressé ou vous étiez peut-être stressé parce que les choses étaient bloquées sur le plan financier, qu'il y avait peut-être des transactions bloquées, qu'il y avait peut-être un prêt immobilier qui ne se faisait pas, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous stresse. Mais on vous dit que l'argent arrive en tout cas et que c'est en bonne voie, c'est dans la bonne direction. On avance en tout cas vers quelque chose de positif. On peut me parler d'un nouveau projet aussi qui était bloqué jusqu'à présent. C'est pour ça que vous étiez peut-être un peu stressé. Ce nouveau projet, en tout cas, peut être quelque chose où on se lance à son compte, où on est peut-être dans le commerce, où on travaille éventuellement en lien avec l'eau aussi, pourquoi pas. Et qui va en tout cas être débloqué grâce à une nouvelle opportunité qu'il va falloir saisir. On me dit qu'il faudra saisir une opportunité. Par exemple, si vous avez la possibilité, je sais pas, vous avez mis votre maison en vente, votre appartement en vente, et puis finalement, les choses étaient bloquées jusqu'à présent, et puis là, une transaction se présente à vous, il y a peut-être une personne qui veut acheter votre bien immobilier, mais qui veut le négocier. Soit vous faites une contre-proposition si vraiment ça vous paraît trop bas, soit vous acceptez la proposition de la personne et là, du coup, on va vers le soleil, on va vers quelque chose de positif. Alors, on me parle d'un nouveau projet aussi, peut-être, en lien avec des animaux aussi, qui est en bonne voie, qui était peut-être bloqué jusqu'à présent ou qui avait l'impression de stagner jusqu'à présent, parce que c'est pour ça qu'on est un petit peu dans la réflexion. Hein. Là, c'est le ciboulot en vrac ici. Mais on vous dit qu'une opportunité est en train d'arriver à vous et se présente à vous pour pouvoir débloquer cette situation et avancer vers quelque chose de nouveau. On peut me parler d'un enfant qui est éventuellement stressé aussi par rapport à un déménagement aussi, pourquoi pas. On vous dit que cet enfant a peut-être besoin d'être rassuré, hein, de reprendre confiance et de savoir que vous allez être là pour l'aider aussi. Et ça amènera en tout cas de belles énergies parce que moi j'ai le soleil quand même ici après la boussole. Donc un vent de changement arrive cette semaine pour vous les Vierges et ça va vous emmener vers quelque chose de très positif. Donc gardez cette énergie du dragon de feu de façon à vous donner du carburant pour avancer, mais ne vous laissez pas consumer par cette énergie par contre. Hein.
Ouais, ne vous en faites pas non plus sur les finances, hein. Les choses vont bouger. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vraiment débloquer la situation aussi. Ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, c'est positif, les Vierges. Voilà. Une très belle semaine à vous, en tout cas. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Alors, les balances. Du 31 janvier au 6 février. Alors, on a trop, je ne sais laquelle choisir, donc on va refaire. Balance. Super pouvoir pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la jeune femme sur la bande dessinée? Note pour moi-même, joie hashtag 35, observer les insectes. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive ou attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc, ça veut dire ici que les balances, vous avez peut-être découvert pour certains ou certaines, je l'espère pour tout le monde d'ailleurs, ce fameux pouvoir à l'intérieur de vous que d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos petites suggestions, vos petites envies, les choses qui vous appellent et qui vous apaisent surtout et qui va finalement vous amener dans un cercle vertueux que finalement l'énergie positive que vous allez dégager et ressentir va attirer encore plus d'énergie positive et de ressenti positif en vous. Alors, balance du 31 janvier au 6 février. Et ben voilà, on reste sur celle-là. Son tech est aujourd'hui. Hein. L'arbre de feu, début et nouveauté. Alors ici, très clairement, on retrouve une certaine flamme intérieure hein, qui est peu représentée par la joie intérieure que l'on peut ressentir aussi. On me parle aussi de début de quelque chose, de nouveautés qui arrivent à vous cette semaine. Je sais pas, de nouvelles idées, de nouveaux projets. On débute un nouveau projet, un nouveau travail aussi, pourquoi pas. Une nouvelle formation. Tout ce qui va être lié au début et à la nouveauté seront liés cette semaine. Et l'arbre de feu, c'est aussi un certain ancrage avec l'arbre, quelque chose de solide, mais qui anime un petit peu aussi cette énergie de feu à l'intérieur de vous. Allez, balance, 31 janvier, 6 février. Et ben voilà, elle est tombée. Prison. Ah! C'est bizarre, ça fait complètement contradictoire avec les deux autres, mais on va voir. D'accord? Libérez-vous de votre cage. L'enfermement n'est qu'une perte de temps sur votre cheminement personnel. Ah. Non, ça complète vraiment les deux autres. C'est-à-dire que là, on vous dit de vous libérer de votre cage parce que finalement, la cage, c'est peut-être qu'uniquement le mental ici aussi qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire quelque chose. Ça peut être une situation dans laquelle on se sent en prison, entre guillemets. Et on vous dit ici que très clairement, il faut un petit peu écouter vos ressentis intérieurs et puis peut-être, pourquoi pas, partir sur un début de quelque chose, sur une nouveauté. Ça peut être aussi tout simplement partir sur de nouvelles façons de penser et sur de nouvelles pensées, bien entendu. Alors, 47 pour les balances. Blocage, injustice, enfermement ou isolement. Psychologie. Votre esprit est enfermé dans une souffrance incontestable. Il peut s'agir de blessures du passé, de querelles qui n'en finissent plus, d'une épreuve dans laquelle vous éprouvez une forme de culpabilité. De toute évidence, vous vous êtes cadenassé dans un modèle. Vous avez la sensation d'être immobilisé, paralysé, peut-être bouffé par un remords qui vous empêche toute tentative de mouvement ou d'action. Vous vous punissez d'une forme d'infraction morale ou physique et vous vous infligez vos propres morsures et châtiments. Il peut s'agir aussi d'une forme d'enfermement utile pour vous isoler, vous retrouver vous-même ou encore une manière de ne plus donner accès à vos propres personnes dans le but de vous séparer du monde ou de vous protéger.
Donc, ça peut être aussi un isolement voulu et nécessaire aussi, hein, pour vous retrouver vous-même et justement pour découvrir votre super pouvoir et partir sur de nouvelles bases. Pardon. Ne restez pas dans cette forme de réclusion dans laquelle vous pourriez vous perdre définitivement. Quel que soit votre passif, pardonnez aux autres et à vous-même. Acceptez de vivre et de briser cette cage dans laquelle vous vous êtes installé pour être hors d'atteinte. Il se peut aussi que cette carte signifie qu'il vous faut un cadre spécifique avec des règles définies et une rigueur stricte. Cette forme de restructuration et de discipline peut s'avérer indispensable pour atteindre vos objectifs à venir. Ce besoin de droiture est un axe utile pour vous redresser. Quand la chenille fait sa chrysalide pour devenir papillon, la qualité de la construction de son cocon sera déterminante pour sa transformation. Cette carte vous incite à regarder au travers des barreaux que vous avez construits. À l'extérieur, il existe un autre monde qui réclame votre présence et dans lequel vous avez un rôle à jouer. Respirez, retrouvez votre dignité et surtout délivrez-vous d'un passif que vous ne pouvez changer. C'est aujourd'hui que vous avez le choix de changer votre vie. Ce choix n'appartient qu'à vous-même et personne ne doit en décider pour vous. La période que ça correspond, c'est fin d'automne-hiver. Donc, ça peut être le début de quelque chose qui pourra prendre finalement vie vraiment en automne ou en hiver. Soit cet hiver-ci, soit en automne prochain ou en hiver prochain. Projection, travail, votre travail vous enferme, vous travaillez trop, vous n'aimez pas votre métier, vous vous sentez isolé, mis au placard. Les métiers associés, gardien de la paix, gardien de prison, militaire, professeur, instituteur, métier à risque, etc. Alors bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Argent, attention au vol, votre trésor est dans un coffre-fort, vous pourriez être victime d'une personne mal intentionnée ou avoir envie d'être mal intentionné vous-même. Pauvreté. Amour, relation aliénante. Vous faites trop de concessions et n'êtes plus vous-même. Cloître, si une relation est toxique, fuyez avant de ne plus pouvoir en sortir. Amitié, solitude, soyez honnête, choisissez ce qui vous aime pour ce que vous êtes, avec ou sans vos bagages. Justice, condamnation, prison, la vengeance aura des conséquences fâcheuses. Donc là, on vous invite à ne pas vous venger si quelqu'un vous a fait du mal, par exemple. Santé, sortez de chez vous. Dépression, possibilité de guérison. Zone organe, poumon, thorax, plexus et tête et jambes. À prendre en considération cette semaine. Alors, je vous rassure, même si ça paraît négatif, je ne le ressens pas comme négatif. Au contraire, c'est peut-être des choses qui vont peut-être vous demander une petite vigilance cette semaine pour éviter de rentrer dans ces énergies-là, d'accord ? Hein, si vous n'aimez pas votre métier ou si vous vous sentez un peu isolé dans votre travail, eh bien, peut-être qu'il est temps justement de penser à une nouveauté, à changer quelque chose, hein, à lancer un début de processus sur, par exemple, un changement de métier ou, je ne sais pas, partir en retraite, etc. Si vous avez, entre guillemets, l'envie et l'âge aussi de le faire. À vous de voir votre situation, hein, d'accord ? Après, tous les domaines ne correspondront pas non plus à chaque balance, bien entendu. Et puis, c'est pour ça que je vous invitais dans l'introduction à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ça peut aussi être bénéfique et vous correspondre davantage. D'accord ? Balance, 31 janvier au 6 février. On a des messages, on a des appels ici pour les balances cette semaine. Ah bah, j'ai encore la carte de l'isolement ici, hein, qui est un peu représentatif aussi peut-être de la tour, d'une part. Donc, ça peut être un besoin de s'isoler ici aussi pour finalement retrouver un petit peu une énergie à soi pour se ressourcer.
On peut me parler de messages aussi qui arrivent sur le plan administratif aussi pour vous, hein, ou en tout cas des administrations. En tout cas, ce sont des messages qui vont vous amener une certaine stabilité, un certain ancrage. On me parle de chien. Donc ici, ça va être, comment dirais-je, confiance déjà, hein, de suivre votre intuition, votre confiance, avoir confiance aussi en vous. Retrouver sa confiance en s'isolant et en finalement, ça vous permet aussi de retrouver un certain ancrage. Donc ici, les balances, vous avez peut-être besoin d'un moment pour souffler tout seul ou toute seule. Hein. Et ça peut être bénéfique justement. D'où le fait aussi, voilà, que la prison, je la ressens pas négative pour vous du tout. Hein. Pour moi, au contraire, c'est certes, les projections, ça peut être des mises en garde. Et en étant prudent, justement, ça évite que ça peut, puisse arriver. Mais la prison, ça peut être aussi une sorte d'isolement qu'on se met soi-même pour pouvoir retrouver une certaine énergie. Donc, ça peut être aussi un besoin de se reconnecter à son intuition et à ses ressentis. Le chien peut me parler aussi de l'aide, de l'appui de quelqu'un qui va vous aider aussi à retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Ah, bah c'est en bonne voie, au contraire, c'est la fin de l'isolement pour certains, c'est la fin de la solitude. Hein. On vous dit aussi que pour vous les balances, il est peut-être temps de recommuniquer aussi avec l'extérieur cette semaine, de reprendre des nouvelles de vos amis ou de revoir vos amis ou en tout cas des personnes autour de vous. Allez voir des gens en qui vous avez confiance, ressortez de chez vous en fait, c'est ça, c'est la fin de l'isolement, on ressort de chez vous et on est en bonne voie ici pour sortir de chez soi. En tout cas, j'ai une évolution vers quelque chose de positif, vers de l'ancrage, vers de la stabilité et de l'équilibre. Hein. On va me parler de quelque chose que... Alors, ça, le grimoire, c'est la connaissance, bien entendu. Hein, c'est une révélation, donc il y a quelque chose qui va vous être révélé, que vous allez avoir connaissance ici et qui va mettre fin aussi à votre isolement cette semaine. On me parle de doute ici, hein, on est dans les doutes, on est peut-être un petit peu dans les nuages ici, mais ça va évoluer vers le positif pour moi. Hein. Ouais, on parle d'amour aussi ici, donc ok. Alors, la première chose qu'on me parle ici, c'est aussi par rapport à... Alors, si vous êtes célibataire, en effet, il pourrait y avoir une rencontre arrivée. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un en tout cas, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance et qui va mettre fin finalement à votre célibat. Donc, des rencontres amoureuses sont à prévoir, hein, en tout cas. C'est la fin des nuages et on avance vers dans la bonne direction, vers une relation éventuellement très stable avec, pourquoi pas, un jour, une vie de famille et des officialisations, bien entendu, puisque j'ai un registre aussi qui pourrait se signer un jour. Donc, de belles rencontres amoureuses pour certains balances. Qu'est-ce qu'on va me dire aussi? On va me dire également que certains se sont peut-être isolés aussi sur le plan sentimental et que aujourd'hui on reprend confiance en soi ici pour sortir de son isolement. Et quelque chose va vous être révélé cette semaine. Alors ça peut être tout simplement des prises de conscience hein, qui se font cette semaine parce qu'on se sent plus stable aujourd'hui, on se sent plus ancré. Et on avance vers cette stabilité et vers cet ancrage, on avance dans la bonne direction. On peut me parler aussi hein, de messages, d'appels qui viennent d'une structure administrative, d'une structure officielle qui va finalement vous envoyer dans la bonne direction et mettre fin à une situation. On apprend peut-être quelque chose ici par le biais d'une administration et on va suivre finalement son cœur. Pour moi, au contraire, c'est la fin de quelque chose de négatif qui prend fin cette semaine et on avance vers du positif. C'est la fin des doutes et la fin d'une sensation d'isolement. Mais j'en sens ici la fin d'une sensation d'isolement où on se sentait, on n'avait pas le choix. Or là, on me parle aussi peut-être d'avoir ce choix-là, de ce temps de solitude pour pouvoir le mettre à profit, pour lire, pour apprendre aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être aussi l'apprentissage. Le grimoire, ça peut être une stabilité qui arrive aussi par le biais d'une formation. On peut me parler aussi d'une formation qui se termine pour officialiser une nouvelle situation professionnelle. Il peut s'agir d'un contrat hein, qui pourrait se signer à la suite d'une formation aussi.
En tout cas, ici, les choses ne vont pas forcément bouger très vite cette semaine pour vous, mais ça va bouger et vers le mieux. D'accord? Donc ne vous en faites pas les balances. Au contraire, prenez les choses un petit peu comme elles viennent. Et c'est un petit peu ça aussi, hein, le super pouvoir. Vous aurez besoin de ce super pouvoir cette semaine-là en suivant vos intuitions et vos suggestions, pardon, intérieures. Voilà les balances. En attendant, ben, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, les poissons. Semaine du 31 janvier au 6 février pour les poissons. Arbitre libre. J'ai pas encore eu celle-là, mais elle est marrante. Enfin, elle m'a l'air. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? Tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi. Et patati, et patata. Voyons, voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. » Elle est marrante cette carte. Ok, arbitre libre, ou bien sûr, libre arbitre, vous l'aurez compris. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc voilà un petit peu, je vous montre la carte, comme ça vous y verrez plus clair. Vous comprendrez la petite BD et le texte. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que cette semaine, eh bien suivez votre libre arbitre parce que c'est vous l'arbitre et vous êtes libre bien sûr de vos choix et de vos décisions. Bien sûr que cette semaine, on pourrait vous mettre des conseils en veux-tu, en voilà, entre guillemets. Hein. Tout le monde va peut-être essayer de mettre son grain de sel. Mais finalement, le mot final, la décision finale, c'est vous qui l'aurez et c'est uniquement vous qui décidez. Poisson, 31 janvier au 6 février. Terre-mère sacrée. Alors, ce qu'on vous dit ici, déjà, magnifique. Hein. Déjà, en effet, hein, le cœur, il rayonne ici parce que peut-être qu'on suit son cœur, on suit cette semaine les vibrations de son cœur. On va là où il nous mène, hein, tout simplement. On vous dit également que pour que vous puissiez l'écouter davantage, parce que finalement, cette petite femme-là, elle essaye quoi? D'écouter son cœur, elle essaye d'écouter ses ressentis. Et pour vous, pour les écouter, il vous sera conseillé. Je sais, vous avez votre libre arbitre, hein, vous allez me dire, oui, bah, elle nous conseille ça, mais c'est pas moi, c'est les guides d'ailleurs qui vous conseillent. On vous conseille tout simplement de vous relier un petit peu plus à la terre-mère sacrée, c'est-à-dire à votre ancrage. N'hésitez pas à sortir, vous promener en pleine nature. C'est important peut-être pour vos énergies. Justement, ça vous permettra peut-être aussi de faire le tri dans tous les conseils que vous recevez autour et d'écouter surtout ce que vous, votre cœur, vous conseille. D'accord ? On me dit que vous recevez des messages d'amour cette semaine, vous allez en recevoir, peut-être aussi en tant que maman ou papa, bien sûr, parce qu'on est dans des énergies générales. Donc, ça peut être vous, en tant que parent, qui recevez des messages d'amour de vos enfants aussi, mais des messages d'amour aussi de personnes, pourquoi pas, qui vous soutiennent dans tout votre quotidien et dans les choix que vous avez éventuellement à faire. Ça peut être tout simplement des personnes qui vous soutiennent par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur aussi. Bon, bah, hey. Je ne sais laquelle choisir parce qu'elles sont extrêmement positives toutes les deux. Allez, pour me faire pardonner, entre guillemets, ou vous faire pardonner les guides d'être les derniers, on va prendre les deux. Le phénix pour la première, c'est-à-dire que la flamme purificatrice de l'être accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Ici, tout simplement, je pense que je vais même lire le truc de le message de la porte ouverte parce qu'il m'appelle beaucoup plus. Et le phénix, il est tombé uniquement pour vous dire en fait que les poissons, cette semaine, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous êtes sur un nouveau commencement. Quelque part, finalement, les cendres du phénix ont rendu la terre
que vous êtes beaucoup plus fertile aujourd'hui. C'est-à-dire que les projets que vous êtes en train d'entamer ou que vous êtes en train de faire ou que vous avez envie de faire là cette semaine vont être extrêmement fertiles grâce aux cendres du phénix qui ont brûlé finalement, parce que c'est un nouveau vous qui est en train de naître et de renaître surtout. Et là, j'ai la porte ouverte. Le paradis est ouvert à chaque victoire. Magnifique. Allez, je vais aller lire la porte ouverte. Parce que c'est celle que je ressens le plus fortement. Alors, le phénix, comme je vous dis, le seul message que je reçois là du phénix, c'est vraiment qu'on va renaître de ses cendres et que s'il y a eu des moments compliqués pour vous, les poissons, ils prennent fin, là. Alors, 46. Dépassement de soi, possibilité et confiance. La vie semble vous sourire et tous les espoirs vous sont permis. Cette symbolique manifeste votre ouverture d'esprit, votre lien avec la nature, la curiosité de la vie elle-même. Il s'agit là bien plus que d'une attitude, mais d'un mode de vie. Et quelle personne solaire ! Vous devez être extrêmement bien entouré. Si vous avez un caractère plus solitaire, vous vous suffisez à vous-même et vous émerveillez le tout. Quelle légèreté ! De l'extérieur, on pourrait croire que rien ne vous pèse ou si peu. Votre monde intérieur est extrêmement riche et vous faites la joie de ceux qui ont la chance de vous rencontrer. Un plaisir que vous partagez avec bienveillance. Vous êtes comme une caresse qui fait du bien là où il y a eu des blessures. Tout est dans la délicatesse. Votre présence à elle seule permet un soulagement qu'on ne saurait expliquer. Faiseuse de miracles ou faiseur de miracles, bien sûr. Votre générosité sincère ouvre des perspectives inattendues et encourage les personnes qui ont perdu l'espérance. Votre sourire est communicatif, il se pose même sur le visage des plus récalcitrants à votre contact. L'apparition de cette carte est une révélation. Il peut s'agir d'une forme de divulgation personnelle ou d'un eureka. Quelque chose qui éveille à d'autres strates, résout un mystère, fait exploser une certitude, bref. Une notion d'éclatement évident permettant de comprendre un principe qui était juste sous votre nez. Comme la foi amène à des certitudes, la porte ouverte donne sur le chemin de tous les possibles. Cette carte est parlante en elle-même. C'est pourquoi, en la retournant, il est nécessaire de faire attention à ce que vous ressentez, ce que vous voyez en elle. Cette pensée guidera naturellement votre intuition. La période, il s'agit de la fin du printemps ou de l'été. Donc, je ne sais pas si vous avez ouvert une porte sur un nouveau projet là, cette semaine-là. On me parle de la fin de l'été, de la fin du printemps ou de l'été pour que les choses puissent avancer. Projection dans le domaine du travail. Nouvel emploi, réussite aux examens, progression socio-professionnelle, promotion. La liste des professions ne saurait être limitative et porte une idée de liberté et de libération. Métier associé, infirmière, en lien avec les enfants, chercheur, globe-trotteur, métier de l'énergie, chaman, etc. Au niveau de l'argent, gain d'argent inespéré, trésorerie favorable, chance au jeu d'argent. Amour, rencontre, amélioration dans la relation à l'autre et fin des problèmes. En amitié, des échanges, ouverture, rencontre, nouveaux horizons. Une personne non loin de vous peut vous apporter beaucoup. Altruisme, justice, victoire et fin positive. Santé, la joie revient, diagnostic positif, le plus difficile est derrière vous. Les zones organes à surveiller et à prendre soin sont le plexus, le cœur et la bouche, les amis. Donc une merveilleuse carte, deux merveilleuses cartes même hein, pour vous. De belles énergies cette semaine. Poisson, 31 janvier au 6 février. Waouh! Eh bien là, j'ai le soleil couchant, donc j'ai encore une belle énergie. Le soleil va briller cette semaine. Ce sont des bonnes nouvelles. C'est en tout cas quelque chose de très positif. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, la réussite, l'épanouissement, une vitalité, des éclaircissements, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu
Au bout du 12e signe, il n'y a plus de voix. Je suis désolée. Waouh! Alors, l'ours. L'ours, c'est les finances. Donc ici, il y a quelque chose de très positif au niveau des finances. Les finances s'améliorent. En tout cas, il y a quelque chose de financier qui s'améliore, qui... de bonnes nouvelles aussi sur le plan financier ici avec cette carte de l'ours. Ça me parle aussi de force, de courage. L'ours, ça peut symboliser la figure parentale aussi. Hein. Donc en tant que parent aussi, les choses s'améliorent, les choses sont positives. On me dit que si vous avez des doutes ou si vous avez connu des nuages, entre guillemets, sur le plan professionnel, pourquoi pas, sur le plan financier, eh bien, les choses vont s'améliorer. Si vous êtes aussi à votre compte, patron ou patronne aussi, on me dit que peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard, dans les nuages, mais que les choses vont s'améliorer. En effet, ici, j'ai un bien-être qui arrive, j'ai le sakura qui tombe. Donc, ça veut dire le bien-être, ça veut dire une sérénité retrouvée. On me parle d'un ancrage financier aussi. Hein, ce sont des racines profondes, hein, ce sakura. Et du coup, le côté financier vraiment s'ancre hein, ici. On me parle d'émotions aussi. Alors, ça peut être en tant que père ou en tant que mère. On retrouve une certaine émotion positive en lien peut-être avec ses enfants. On va me parler aussi d'émotions hein, qui s'améliorent aussi avec ça, hein, puisque j'ai le bien-être. La carte du grimoire. Alors, ça peut être ici une formation pour certains que vous avez éventuellement envie de faire pour être à votre compte. Hein, et on vous dit en tout cas que ça amènera une certaine sérénité, une guérison aussi, pourquoi pas. Alors, je vais toutes les retourner, comme ça on va voir. Ouais, en effet, hein, il y avait des émotions, un petit peu de stress, un petit peu de doute. Mais on vous dit que les choses sont en bonne voie, sont dans la bonne route ici. Hein. Ouais, ici, il y a une très, très belle évolution hein, positive. Hein. Alors, ici, j'ai la carte de l'amour. Donc, si vous avez un projet de cœur, en tout cas, si vous décidez avec votre cœur, si vous suivez votre cœur, votre intuition, si vous suivez vos émotions aussi, mais vos émotions positives sans vous stresser, les choses vont s'améliorer. L'ours me symbolise également la force intérieure. Vous avez une très grande force intérieure, les poissons ici, et vous avez la force cette semaine de faire évoluer les choses dans le bon sens. La carte de la cigogne, c'est justement une évolution et une évolution favorable vers la guérison, vers la sérénité, vers le mieux-être. Le grimoire ici, comment dirais-je le grimoire ici pourrait symboliser... alors oui, la formation, mais ça peut être aussi la révélation. Hein. On se révèle finalement déjà une force intérieure et une capacité finalement d'avancer hein, vers les choses qui c'est exactement cette carte du phénix qui ressort ici, c'est-à-dire qu'on a cette révélation de cette force à l'intérieur de nous qui nous fait nous relever finalement ici et qui nous montre la direction à suivre. Hein. Ouais, j'ai l'action ici aussi, j'ai des signatures ici en lien avec le contrat, avec des contrats, j'ai des signatures en lien avec le travail aussi qui peuvent arriver pour vous les poissons. Mais on retrouve une certaine force ici, les nuages se dissipent, les conflits s'apaisent, les émotions surtout s'apaisent parce que ça peut être des conflits intérieurs que l'on a entre son cœur et son mental ici. Et du coup, c'est ce qui peut causer aussi certains doutes. Et on vous dit que vous avez la force d'apaiser les choses et de, finalement, de suivre vos propres ressentis, de suivre votre cœur et de franchir cette porte qui est en train de s'ouvrir et qui amène vers quelque chose de positif. Et surtout, la carte des cigognes et la carte de la rose des vents peut symboliser un déménagement aussi qui va arriver. Ça peut être ici, cette semaine, la révélation d'un déménagement futur aussi, grâce à des finances qui s'améliorent, pourquoi pas. Alors, ça peut être tout simplement que vous aviez fait une demande de prêt. On vous dit éventuellement que malgré vos doutes, elle est accordée, cette demande de prêt, que les finances se stabilisent et que du coup, en effet, on peut peut-être déménager, acquérir la maison que l'on voulait, etc. Donc ici, en tout cas, de très bonnes nouvelles sont à prévoir et des très bonnes nouvelles, surtout sur le domaine
financier ou parental aussi. Pourquoi pas? Parce que sur le domaine parental, on est peut-être aussi sur des annonces de grossesse. Une grossesse pourrait vous être révélée ici aussi si vous avez envie de devenir parent. Voilà, en tout cas les poissons, j'espère que ça vous aidera pour cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous souhaite bien entendu une très belle semaine à vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.